on va mouiller le maillot jusqu'à midi, vous le savez. Point n'a besoin de vous le rappeler. Alors on se retrouve comme tous les samedis pour parler naturellement de sport togolais, africain et même au niveau mondial. Bonne arrivée, messieurs et dames. Bonjour à Marcel Kouégan. Bonjour à Farouze la Togolaise, c'est une inconditionnelle de la radio sportive. Excellent week-end à toi, Farouze. Orphée, depuis l'habitat, pas très loin de nous, hein. Il est très très accroché à cette émission et naturellement à la radio sportive. Broukadio Faustin Kpadé Noukpadé, président Kamal. Léonce Bati, bonjour, Mama Sport FM, Mama Goro Zozo, Lekeo, Goro Are, les Zozoa, Migbana. Maman, on va saluer également Maman Togo, Gérard Sélassier, Algor, Agognera, Épervier de Kégué, Tcha Fidel. Bonjour, chers confrères. Bonjour à tout le personnel de la radio devant moi naturellement. Et l'homme à Dovan, Pélagie Mekoum. On a également Jean-Pierre Tata Bézouquet de l'autre côté, Michel Abali. Et naturellement, Angelo Folico qui est également dans les locaux. Nous saluons l'administration, la fondation, la supervision, la direction générale, la direction financière, puis celle commerciale. Merci de nous faire confiance. Vous avez besoin de vous installer. Merci d'être fidèle à Sport FM. Merci d'être au rendez-vous. Angelo Folico, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous. Tout va bien. Écoutent. Ça va, rendre grâce à Dieu. Très bien, ouais. Très bien. C'est lui qui le fait. C'est lui qui est fort. Eh bien, comme chaque fois, on va commencer par l'Europe. Et commence par les majeurs. Et on va dire l'Angleterre pour commencer ce tour d'horizon. Alors, on va parler de certains matchs qui semblent être, on va dire, aujourd'hui en vue dans ce championnat. On parlera de Brighton, Manchester United, les Red Devils battus la dernière fois par Crystal Palace, ont l'obligation de se réveiller. Vous plantez si bien le décor, hein. Personne n'aurait cru que la dernière fois, la formation d'Ole Gunnar Solskjaer va perdre un match aussi plus ou moins intéressant face à Crystal Palace, mais c'est Wilfried Zaha qui a fait toute la misère à la formation mancunienne. Et comme tu le dis si bien, ils ont obligation de pouvoir se retrouver, de retrouver une certaine embellie, de se remettre dans le sens de la marche. Quand on sait que les autres, que sont Liverpool, Chelsea, Manchester City, Leicester et tous les autres, ont essayé quand même de grappiller quelques points. Pour l'instant, c'est du zéro pointé pour Manchester United. Ils ont l'obligation de pouvoir rapidement se détacher. En sachant également que Brighton est en passe hein, d'enchaîner un deuxième succès, ce qui ne l'est plus arrivé depuis 2019. Donc eux aussi, ils ont envie, évoluant à domicile, pourquoi pas de renverser encore une fois cette équipe de Manchester United. On se rappelle qu'en Coupe de la Ligue, Ole Gunnar Solskjaer a fait un véritable turnover en laissant tous les titulaires sur le banc, histoire de donner beaucoup plus de temps de jeu aux jeunes joueurs. Sauf que parfois c'est bon, parfois aussi ça peut aussi casser le rythme ou l'intensité dans le jeu. Mais je pense que ce match face à Brighton est un match très piège. Maintenant c'est à Manchester d'aller trouver les moyens qu'il faut, de jouer avec efficacité, d'être responsable et de pouvoir grappiller les trois points. En tout cas, Manchester déjà dos au mur, on peut le dire, par rapport aux attentes qui entourent les Red Devils. De l'autre côté, on aura ce match entre West Bromwich et puis Chelsea. Battu la dernière fois par le patron, le champion en titre. Bon, naturellement, je pense que cette équipe de Chelsea, on ne cessera jamais de le dire, est en pleine reconstruction. Quand on jette un coup d'œil aux nouvelles recrues, justement du côté de Stamford Bridge, on peut comprendre aisément que pour Chelsea, il faut donner du temps à cette équipe de Frank Lampard de pouvoir retrouver une certaine cohésion, une certaine osmose dans le jeu. Pourquoi ce match si important? Parce que on se rappelle qu'il y a 2-3 jours, la signature de Edouard Mendy, qui est un portier international sénégalais, qui est arrivé du côté de Chelsea. C'est vraiment inédit. Inédit parce que lorsque vous jetez un coup d'œil dans la carrière de ce joueur ou de ce gardien sénégalais, c'est quelqu'un qui a galéré, qui a connu plusieurs difficultés dans sa vie privée, qui a failli même, être au chômage pendant plusieurs mois avant de pouvoir retrouver une équipe de Reims. Il était arrivé au sein du groupe pour être troisième gardien, ce qui n'était pas évident, mais il a gardé toujours la persévérance. Il est resté très fort dans la
tête également grâce à un ami qui lui a proposé de pouvoir travailler avec l'Olympique de Marseille. N'oublions pas qu'il est passé par l'Olympique de Marseille, ouais. Était dans la réserve et après finalement il débarque à Rennes et on a vu un peu son ascension. Récemment il était du côté de l'Égypte pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations, il eut été une blessure à la main. C'est Alfred Gomis qui l'a remplacé dans la perche au niveau de la sélection sénégalaise. C'est un joueur qui, quand vous voyez sa mentalité, c'est quelqu'un de très très fort. Et c'est rare de voir des gardiens africains à ce niveau évoluer en première ligue et surtout à ce niveau. Ouais. Quand on jette un coup d'œil au niveau du palmarès des grands gardiens africains au niveau de l'Europe, on peut parler de Thomas Nkono, on peut parler de Jacques Songo, on peut parler de Daga Sakho aussi. Et... on peut également parler de Joseph-Antoine Bell, d'Idriss Kameni et tous les autres. Et sauf que tous ces grands gardiens ont longtemps joué dans des escouades européennes. Et je pense que Edouard Mendy, arrivant à Chelsea à 26 millions d'euros, 24 millions d'euros plus 6 millions de bonus, en plus de ça pour 5 ans, on ne peut que lui souhaiter le meilleur et d'être le numéro 1 de Chelsea pour les années à venir. Comme quoi, il faut être toujours persévérant, croire en ce qu'on veut. C'est ça l'un des secrets de la vie, en tout cas. On continue parce que Chelsea, par rapport au recrutement, s'affiche comme l'un des meilleurs et se met quelque part la pression parce qu'avec ces recrutements qui tournent autour de près de 230 millions d'euros, les Blues se mettent une pression parce que les supporters, eux, veulent voir Chelsea déjà champion à la fin de cette saison. Chelsea nous a habitués à des signatures bling-bling. On se rappelle les débuts de Roman Abramovich du côté du club de Londres avec des signatures de Robben, des signatures de Didier Drogba et puis tous les autres, Mikhaïl Balak, j'en passe. Donc on a compris toujours qu'avec Roman Abramovich, c'est sortir le chéquier et tout de suite, pourquoi pas, rassembler les meilleurs. Sauf que des fois ça marche, je vous avais parlé tout à l'heure de pression, c'est une énorme pression et sur les épaules de Frank Lampard, comment faire jouer tous ces joueurs-là ensemble et surtout avoir des résultats. Et puis derrière, quand vous sortez un tel chèque avec autant de millions d'euros, sincèrement parlant, il faut avoir des résultats derrière. Est-ce que Roman Abramovich et son board sont aujourd'hui assez patients pour laisser 2 ans, voire 3 ans à ces jeunes joueurs de pouvoir éclore au haut niveau ? C'est ce qui est normal à faire. Oui. Maintenant, à la Première Ligue, n'importe quelle équipe, même de Championship promue, peut vous battre. J'espère que cette équipe de Chelsea va trouver un certain équilibre. Je pense que le gros souci de Chelsea se situe à ce niveau-là. Trouver l'équilibre au niveau de la défense, en passant par le milieu de terrain, surtout en attaque. Et quand vous arrivez à trouver la solution, je pense que le reste ne sont que des enchaînements et ce ne sont que des résultats positifs. Point. À la Première Ligue anglaise, on prend la direction de la Liga espagnole. Là également, il y a des matchs intéressants, parmi lesquels Barcelone-Villarreal, par exemple. Oui, pourquoi il faut reconnaître que ce sera la première sortie des Blaugrana depuis la chute catastrophique en Ligue européenne des champions. Le Barça a eu 2 semaines supplémentaires de préparation, tout comme le Real Madrid et puis d'autres clubs qui ont fait beaucoup plus de chemin au niveau de la Ligue européenne des champions ou de la Ligue Europa. Et là, on va voir exactement à quoi va ressembler le 11 de départ de Ronald Koeman depuis qu'il est arrivé à la tête de l'équipe. Sauf que dernièrement, ça fait bizarre. Ça, c'est un sentiment personnel de voir, par exemple, Luis Suarez quitter le Barça. Il n'était pas forcément la une de l'actualité au niveau du Barça. Pratiquement dans l'anonymat. Hein, totalement. Tout, ouais. Totalement. Et ça énerve plus d'un. Daniel Alves est sorti. Lionel Messi également a tweeté. Et plus d'autres grands joueurs également du Barça n'ont pas compris comment est-ce qu'on peut laisser... un tel joueur partir aussi dans l'omerta. Rappelons que Luis Suarez, c'est quand même plus de 280 matchs, plus de 190 buts. Il a gagné tous les trophées avec le FC Barcelone. Mais là, on a compris que Ronald Koeman ne comptait plus sur l'attaquant uruguayen. Et là, il a trouvé une porte de sortie et il est allé du côté de Colchoneros de l'Atlético de Madrid. On a vu des vidéos depuis hier. Il est allé à l'entraînement. On a fait même un bizutage. Alors, parlons de revenons sur le match Barcelone-Villarreal. On va voir exactement à quoi va ressembler cette équipe face à une équipe de Villarreal et également qui est très joueuse. Alors bon, de toute façon, Messi sera dans le jeu, tout comme Antoine Griezmann, peut-être Riqui Puig, le jeune qui est en train d'arriver. Et puis, la curiosité également reste soit Dembélé ou pas, on attend de voir. Est-ce qu'il sera rapidement guéri de ses multiples blessures? On attend de voir. En tout cas, la première sortie de Ronald Koeman est très attendue du côté de nos campos. Ce match entre Alaves et le club du Togolais, Jeanne d'Arc Onam, Getafe.
importantissime parce que la première sortie a été soldée par une victoire. Ça, c'était, je pense, un bon début pour Jenda Konam et puis ses coéquipiers. Il va falloir enchaîner, histoire de rester dans une bonne dynamique. On sait très bien que la saison dernière, le finish au niveau de du restart, au niveau de la Liga, a été compliqué pour les Azulones. Il va falloir retrouver une autre embellie au niveau du mental, petit à petit grappiller de la confiance et surtout arriver à s'imposer. Je pense que c'est à la veste, certes, en déplacement. Oui, Retafe a les moyens, ne serait-ce que gagner 1-0 pour rester quand même, pour l'instant, dans le top du classement de la Liga en attendant le réveil des autres. Il faut également rappeler qu'au niveau de la Liga, il y a plusieurs équipes qui n'ont pas disputé la première journée. Ouais. Donc, ça va se décaler. Beaucoup de matchs reportés. Ouais. Et donc, pour Retafe, c'est le deuxième match. Pour le FC Barcelone, c'est le premier match. Betis Séville, Real Madrid. Oui, attendu également, parce qu'à ce niveau, deux informations. Il y a Gareth Bale qui a quitté le club, ouais. On le sait très bien, pour rejoindre Tottenham. Et puis Eden Hazard qui n'est pas convoqué par Zinedine Zidane pour affronter la formation du Betis, emmené par Nabil Fekir. Il faut le rappeler, quand il est en forme, il est insaisissable, l'international français. Et donc, du côté du Real Madrid, tous les cadres sont là. Ramos, Varane, Toni Kroos, Vinicius Junior et puis Luka Modric, ils ont envie également de redémarrer la saison. Il faut reconnaître que lors de leur première sortie, le Real a été contraint au nul. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore un bon démarrage pour les hommes de Zinedine Zidane. Pourquoi pas cet après-midi face au Betis, ça pourra le faire. En tout cas, Zinedine Zidane a demandé de la patience, oui. Parce qu'il y a beaucoup de matchs à jouer. Le championnat sera long, c'est ce qu'il a dit. On attend de voir cet après-midi. Et curieusement, il n'a pas voulu faire de transfert, pas de mercato, et compte sur son équipe, trouver la bonne forme et de pouvoir carburer durant la saison. C'est quand même bizarre. Hein. Ah oui, c'est quand même bizarre et en même temps osé de sa part parce que si jamais il y a des blessés, si jamais il y a des joueurs moins en forme, ça peut quand même pâtir sur le résultat des Rorino, qu'est-ce que je raconte. En tout cas, de la Casablanca. Casablanca, voilà. En tout cas, ça lui a réussi jusqu'à maintenant. On verra bien ce que ou bien à quoi va ressembler la suite de la saison. De l'Espagne, on atterrit en Allemagne pour parler de quoi ? Vous le savez, la Bundesliga. Et le patron, rien à dire, c'est le Bayern de Munich qui fait un déplacement sur les installations de Hoffenheim. On a l'impression de voir déjà une victoire de Bayern Munich, même si c'est Hoffenheim en face d'Hellas Bibou. Mais bon, parce que quand on voit juste le match inaugural des Bavarois, 8-0 face au Schalke 04, vous comprenez aisément que cette équipe est une machine impitoyable emmenée par un Hans Dieter Flick. Je pense que cette équipe du Bayern, vu encore la prestation récemment face au FC Séville, on va en parler tout à l'heure au niveau de la Supercoupe d'Europe, elle dégage une certaine assurance, une certaine cohésion. Vous prenez les joueurs individuellement, je pense qu'ils font l'affaire. Et puis, je pense que l'une des armes redoutables de cette équipe du Bayern Munich, c'est que tous les joueurs peuvent marquer des buts, que ce soit au niveau de la défense, au milieu de terrain ou même en attaque, n'en parlons pas. Et donc, face à Hoffenheim peut essayer de limiter la casse, mais je vois beaucoup plus cette équipe du Bayern faire l'affaire. Maintenant, la question que moi je me pose de façon personnelle sur l'ensemble de la saison, est-ce que cette équipe du Bayern est imbattable durant toute la saison ? Ça reste la grosse question de la nouvelle QV. Voilà, la grosse question de la nouvelle QV, là-bas en Allemagne. Lorsqu'on regarde un peu de près la Ligue 1 française, il y a ce match entre Marseille et Metz. Comme toujours, le club phocéen d'Andine tâtonne. Après la victoire contre le PSG, cette équipe a retrouvé la terre. On était un peu dans les nuages. Vous le dites bien, parce que quand on observe les matchs qui ont suivi derrière, c'était compliqué. La dernière fois, c'était un nul à domicile face à Lille. Et donc, vous comprenez aisément que la formation de Marseille n'est pas forcément en train de carburer. Maintenant, c'est face à Metz. Mais attention, il faut faire attention à un certain Ibrahim Niang qui a marqué un doublé récemment pour le club lorrain. C'est une information très importante à prendre au sérieux côté marseillais. Maintenant, on aurait peut-être attendu le début de Luis Enrique arriver pour 10 millions d'euros dans l'OM Champions. Est-ce que c'est la bonne pioche? Oh non, Marseille joue la Ligue des Champions. Je ne le pense pas. On ne peut pas compter sur un gamin de 18-19 ans qui vient de commencer. Mais
pour être optimiste, on peut le voir sous deux angles. Pourquoi pas, il peut crever l'écran, il peut tout de suite apporter la bonne surprise côté marseillais, mais au même moment aussi, il faut donner du temps aux joueurs de pouvoir s'adapter à la Ligue 1 et surtout retrouver ses aises. Pour l'instant, je reste dubitatif sur le choix de Luis Enrique. On attend de voir. Il ne va pas débuter justement dans ce match-là. On va lui donner quelques jours d'entraînement histoire de se mettre dans le rythme avant de pouvoir le lancer en Ligue 1. Moi, je dis que ce match-là, Marseille doit faire extrêmement attention à Metz. Cette équipe peut être piégée à domicile. Et surtout, quand on ne gagne pas du côté de la Canebière, ça sent souvent un air de crise à Marseille et surtout à Villas-Boas de trouver les joueurs, le peps qu'il faut pour pouvoir les aider à pouvoir gagner. En tout cas, Marseille vient de perdre des points à domicile. Ouais. Deux matchs de suite, exact. Un petit point. Et là, la c'est pression. Beaucoup, hein. Ouais. C'est quand même des points des assez importants, voilà. Même si on n'est qu'en début de saison. Il faut rapidement réagir. Alors, lorsqu'on va du côté de l'Italie, qu'est-ce que le Calcio nous affiche? Il y a ce match entre le patron et puis l'AS Roma. Il y a quelques années, c'était une grosse affiche. La Roma qui a du mal à pouvoir se renforcer. Et puis là, en face, de l'autre côté, c'est la Juventus, toujours fidèle à ses habitudes, gagner tous les matchs. Mais je pense qu'il faut quand même saluer la première réussite d'Andrea Pirlo sur le banc, qui a joué en 4-5-1 avec Ronaldo seul en pointe. Il a même justement marqué son premier but au niveau du Campionato. Donc on s'attend, ou les tifosi s'attendent à ce que la Juventus récidive face à la Roma, ce qui est quand même assez intéressant. On l'a déjà dit dans une émission précédente, qu'à part la Juventus, il y a quand même l'Inter Milan, il y a la Lazio Rome, il y a l'Atalanta, il y a pourquoi pas même le Milan, c'est qu'on pourra citer dans les probables concurrents. Mais pour l'instant, la Juve, elle est forte, elle est intéressante. Et ce soir, elle doit encore le prouver face à la Roma, qui reste une équipe certes joueuse, mais qui n'a pas forcément les mêmes armes que du club du Piémont. En tout cas, Pirlo a fait confiance à quelques jeunes, ouais, parmi lesquels Fabrota et puis certains Kini. Voilà. Ouais, donc, il a envie quand même d'injecter du sang neuf. On verra bien ce que ça va donner. On aura fini avec les majeurs, mais on reste toujours dans le football européen avec la Supercoupe d'Europe, qui opposait il y a quelques jours le Bayern Munich, le vainqueur de la Ligue européenne des champions, au Football Club Séville, qui a gagné la Ligue Europa. Bien à l'arrivée, ça a été compliqué. J'ai vu un match assez intéressant, un match de haut niveau, XXL, parce que Séville a regardé droit dans les yeux le Bayern Munich. Ouais. Et donc, on a vu une équipe de Lopetegui qui est très joueuse sur les actions à 1 contre 1. Tactiquement en place. L'Ocampos, Diego Carlos et tous les autres, Rakitic notamment. Et donc, on a vu certes cette équipe qui a ouvert le score, mais derrière, qui n'a pas su quand même contenir les assauts répétés des Bavarois. Et quand vous prenez le Bayern Munich, c'est comme on l'a dit, c'est une machine infernale qui à tout moment, Léon Goretzka et puis Thomas Müller, tout de suite en milieu de terrain, pressent les défenseurs qui sont là pour la première relance. Sur les côtés, vous avez Davis et puis Alaba qui arrivent à monter, même si Alaba est beaucoup plus central. De toutes les façons, j'estime simplement que Hans-Dieter Flick a réalisé une performance extraordinaire. Il est béni. Oui, il est béni. À moins d'un an, il gagne 4 trophées majeurs. Ce que certains entraîneurs cherchent depuis 10 ans, voire 20 ans de carrière. Il est béni, c'est un travailleur et je pense qu'il a une destinée formidable, tout simplement. Il est unique en son genre et ce qu'il fait est tout simplement magnifique. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a tous les superlatifs au niveau du board du Bayern Munich et de la presse allemande. En tout cas, il gagne, on va dire, le championnat de Meisterschale, il gagne la Pokal, la Coupe de l'Allemagne, il gagne la Ligue européenne des champions. Il pourra aussi gagner la Supercoupe d'Allemagne face à Borussia Dortmund la semaine à venir. Et voilà, donc on dira que ce monsieur, il est tout simplement béni. On va continuer ces échanges avec, d'abord, on va faire un clin d'œil à la boxe, si vous le permettez. Le couple en or, encore remis ça, Tony Oka et sa femme, Mosley, Estelle, ont gagné hier. Et puis, c'est vrai, la dame n'a pas gagné sur KO, Tony Oka est spédié en 1 minute 27 secondes, Yoann Diopa. J'ai l'impression d'avoir vu un match de Mike Tyson face à plusieurs de ses concurrents dans les années 90, mais Diopa, on comprend qu'il a fait la gueule, entre guillemets, pour histoire d'appâter les médias et tous ceux qui adorent le noble A. Il a donné l'expérience, 44 combats. Mais il n'a pas il montré. Il a même essayé face à Deontay Wilder. Mais il n'a pas pu face à Tony Oka. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il avait trop de pression? Est-ce qu'il ne s'est pas préparé comme il faut? Est-ce que Tony Oka l'a surpris? Oka l'a dit qu'il
a voulu démarrer très fort. Ouais. Et c'est ce qu'il a fait. Mmh. Il n'a laissé aucune chance à Diopa, les crochets, les uppercuts un peu partout. Je pense que oui, comme le dirait quelqu'un, Tony Oka est en train de rentrer dans le grand bain. On attend de voir les prochains adversaires qu'il aura parce qu'en face, ce sera du lourd. Parce que là, on parle du championnat du monde. Mmh. Et là, ce ne sont pas du tout, je dirais, des cacahuètes qui seront en face de lui. Mmh. Vous avez parlé également de son épouse ou ex-épouse, si vous voulez. Mmh. De toutes les façons, elle aussi, elle a du coffre. Hein. Mmh. Championne olympique en titre. Mmh. Donc, je pense que face, il n'y avait pas forcément de la concurrence. Elle aussi. Froment n'a pas... Voilà, bon. Elle a essayé, elle a essayé de résister à Mosley. Mais quand vous avez une force de frappe en face, c'est compliqué de pouvoir résister. En tout cas, la dame, elle est très forte. Elle vient d'accoucher du second enfant de Tony il y a seulement 4 mois. 4 mois, voilà. Et elle se présente pour la boxe à ce niveau. Vraiment, c'est une famille. C'est ça le niveau professionnel. Ouais, c'est une famille de boxeurs, en tout cas. Exactement. Par rapport à ce qu'on nous avait dit, en tout cas, ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble, justement. Et puis Tony Oka, qui est défié déjà par Raphaël Tronchet, qui lui dit... Ben, le jour-là, il sera en croix, tout simplement, qu'il va le disloquer. Ah bon, attends, mais ça commence déjà. Ah oui, c'est bien. Et Tony aussi veut enchaîner. On verra bien. On va continuer avec Roland Garros, presque en confinement. Oui. Il n'y aura que 1000 spectateurs pour le Grand Chelem français. Je pense, tous les jours. Je pense que oui, le tournoi de la Porte d'Auteuil a résisté plus ou moins au coronavirus. Au départ, beaucoup auraient pensé qu'il y aurait un report sur l'année prochaine, quand on sait qu'il y a déjà un nouveau site qui a été construit, un nouveau court construit rétractable. Et donc, c'était la nouveauté de cette édition 2020. Mais bon, la pandémie est passée par là. Oui, il y a de la déception dans la voix des organisateurs, notamment Guy Forget, qui n'est pas forcément d'accord avec la décision du gouvernement. Entre-temps, on attendait 20 000 spectateurs par jour. Après, la jauge est passée à 5 000 et aujourd'hui, on parle de 1 000. Je pense qu'il faut le prendre comme ça. C'est difficile à accepter. C'est également du manque à gagner niveau financier, niveau retour sur investissement. Mais c'est mieux que zéro. Donc, on attend de voir exactement ce que ça va nous apporter à partir de demain pour les phases de groupe jusqu'à la grande finale. En tout cas, tout ça, c'est à cause de la pandémie du coronavirus. On est en situation de virose dans le monde entier. Ouais. Et d'ailleurs, on va écouter le président du Comité national de gestion de la riposte, le colonel Djibril Mohamed. Quoi qu'on fasse, la maladie est là. Il y aura toujours des cas tous les jours, mais comment les gérer? C'est pour cela que nous cherchons toujours dans notre stratégie à canaliser ces cas pour qu'il y ait moins de cas que nous puissions gérer par rapport à notre capacité. Et comme nous devons apprendre à vivre avec ce virus, nous avons dit que dans chaque secteur, tout le monde doit s'organiser. Et je pense que les secteurs sont en train de s'organiser parce que la vie doit reprendre. Pour ce qui est de la rentrée scolaire, je pense que le secteur de l'enseignement est à pied d'œuvre. Tout le monde est concerné, notamment les parents d'élèves, les syndicats et autres pour la préparation de cette rentrée scolaire. Parce qu'au niveau du ministère de l'Enseignement, ils souhaitent que cette rentrée scolaire soit réussie. Et en même temps aussi, nous sommes en train de discuter avec le ministère du Sport, qui dit rentrée scolaire globale, dit aussi certaines activités sportives. Et ce secteur-là aussi est en train de s'organiser pour qu'on puisse faire comme on a fait dans d'autres secteurs, après la discussion, commencer par une partie des sports en attendant de généraliser. Le colonel Djibril Mohamed, il est le président du CNGR, entendez le Comité national de gestion de la riposte contre la COVID-19 au niveau de nos confrères de la BBC. On va écouter la minute COVID également. Bienvenue à notre minute COVID sur BBC Afrique avec Alain Serge Marquis. Au Nigeria, les autorités fédérales affirment que la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance sera simple pour cause de pandémie de COVID-19. Le centre de contrôle des maladies du pays affirme avoir enregistré plus de 50 000 cas confirmés et plus de 40 000 patients ont été libérés. À l'Assemblée générale des Nations unies, les pays africains ont tous plaidé l'annulation de la dette. Au Kenya, les enquêteurs doivent recommander la poursuite judiciaire sur au moins 15 hauts fonctionnaires et hommes d'affaires pour détournement présumé
privés de fonds publics destinés à l'achat de fournitures médicales dans le cadre de Covid-19. L'enquête a révélé des preuves d'appels d'offres qui auraient été attribuées à des personnes ayant des liens politiques. En ce qui concerne le sport, certains fans de l'AC Milan pourraient être déçus d'apprendre que l'attaquant vedette Zlatan Ibrahimovic a été testé positif au Covid-19. Ibrahimovic a été rapidement placé en quarantaine à domicile. Voilà, vous voyez, vous constatez que cette pandémie fait la loi partout. Il faut surtout respecter les mesures barrières. Angelo Folicoé, on continue cet entretien et on parle maintenant de la NBA. Où en est-on avec les finales en conférence ? En conférence, il y a eu la finale, les matchs de la finale Est, entre Miami et puis Boston. Et c'est Boston qui revient à 3-2 désormais. Miami était à un match de se qualifier pour la grande finale NBA pour peut-être jouer face aux Lakers qui sont en train de mener de l'autre côté à l'Ouest. Je pense que c'est un bon, très bon comeback des Celtics de Boston, amené par Jaylen Brown, Jason Tatum et puis tous les autres qui ont essayé rapidement. Ils ont été certes menés dans le match, mais ils ont trouvé la ressource nécessaire pour revenir dans le match. Et puis à la fin, ils ont damé le pion à la formation de Jimmy Butler, qui malheureusement n'était pas en forme la nuit dernière. Et donc ça revient à 3-2. Et donc il y a un match 6 qui nous attend dans la nuit du dimanche à l'est, à l'ouest. Il y a ce gros match toujours qui nous attend entre Lakers et puis les Nuggets de Denver. Sauf que les Lakers de LeBron James, Anthony Davis et puis Rajon Rondo sont à un match de disputer la finale. Quand on voit les deux axes, les Lakers, en tout cas collectivement, sont forts. Et pourquoi pas aller chercher une nouvelle bague au niveau de ce championnat nord-américain de basketball. Pourquoi pas. LeBron James est toujours là, la locomotive cette équipe californienne. Alors, MotoGP, on parle vitesse maintenant. Et Quartararo, toujours attendu, hein. Oui, attendu. On va rentrer un peu dans l'histoire et se souvenir que c'est à Barcelone qu'il a été deuxième derrière Marc Marquez en 2018. Et puis derrière, il a, on peut dire, enchaîné de plus ou moins de bons succès. Il a gagné déjà quelques séries sur le championnat du monde. Sauf que depuis sa victoire à Jerez et en Andalousie derrière, ça a été toujours de l'échec. Il a été rattrapé, je dirais même aujourd'hui devancé par Andrea Dovizioso. Et on attend de voir d'ici demain ce qu'il va produire. C'est vrai qu'au niveau des essais, il a été bon, mais je dirais même très bon. C'est déjà un bon signe. Maintenant, il va falloir trouver la réponse à son moteur dans la dernière ligne droite. Son moteur a du mal à pouvoir répondre. Et puis, il y a également la question des pneus sur le circuit de Barcelone qui se pose. Quand on jette un coup d'œil au classement, Quartararo, à mon humble avis, est en train de décrocher tout simplement. Et ça, ce n'est pas du tout bien pour lui. Mais au même moment, il faut en profiter. Vous prenez Dovizioso qui est en forme, Morbidelli, Juan Mir. Et puis voilà, Binder. Où eux tous ont envie de pouvoir, pourquoi pas, décrocher le titre de champion du monde en l'absence de Marc Marquez, qui est forfait pour toute la saison. De toutes les façons, la saison est encore très ouverte. On attend de voir ce que le Français pourra faire cet après-midi et surtout demain face à ses véritables concurrents. En tout cas, ils sont très attendus, lui et Zarco, sur ce circuit. On aura tout dit, Angelo. Mais je pense qu'on a fait le tour, Franck Mignon. Oui. Excellent week-end. Merci beaucoup, à très bientôt. À très très bientôt. Voilà, Sport FM, samedi sport, on reçoit Florent Kataka, vous savez, c'est l'administrateur principal du centre Soalose et puis le président de l'association 2A Foot, l'association des académies de foot du Togo. Eh bien, pourquoi il est là ce matin, c'est que cette académie a 2 ans et on en parle, on fait le tour, bilan, difficultés, projet d'avenir, on va ramasser tout ça. Florent Aigra Kataka, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs de Sport FM, la radio mère du sport au Togo. Tout va bien? Merveilleusement bien. Très bien. On parle, comme j'ai dit il y a quelques secondes, de 2A Foot. On a mis en place cette association il y a déjà 2 ans. On n'a pas vu le temps passer. Oui, l'eau a coulé sous le pont depuis 2 ans et ça passe effectivement très 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 vite. C'est à partir du 1er septembre 2018, on y est. À cause des élections de district, nous avons dû taire tout ce qui est inscrit en termes de célébration. Et bon, voilà, nous y voilà. Cette semaine, nous l'avons consacré à la célébration, mais uniquement en termes médiatiques, parce que Covid, comme vous le savez, on ne pourrait pas faire des activités. On aurait voulu faire une compétition pour célébrer cela, mais bon, on fait avec.
On fait avec 2 ans. Est-ce que ça a été facile? Des pots de banane, des activités. Quels sont les actes concrètement que vous avez eu à poser au niveau de l'association? Votre question vient à point nommé et justement à partir même de cette chanson que vous venez de jouer et des conseils que vous avez donnés. J'ai eu moult fois l'occasion de fustiger le fait que nous avons pris des mauvaises habitudes au Togo. Quand je dis nous, je suis togolais aussi, donc j'en fais partie. De tirer sur des ambulances. Vous pouvez imaginer qu'il y a des gens qui attaquent des Zafout, je ne sais pas pour quelle raison. Nous n'avons pas une vocation à aller challenger un poste que ce soit. Ou, je ne sais pas, nous travaillons pour la jeunesse togolaise et de façon beaucoup plus prononcée sur une connotation beaucoup plus sociale. Et quelle académie au Togo, moi je parle globalement, a déjà fait un transfert de jeunes et avec des millions d'euros où, parce que souvent on dit, voilà, ils regroupent des jeunes, c'est pour les vendre, entre guillemets. J'aime pas trop cette expression, mais bon. Mais nous sommes dans du social. Nous participons donc à l'éducation de la jeunesse. Nous participons à la construction donc des citoyens de demain à partir donc des valeurs sociales que véhicule le sport. Donc la plupart des académies se retrouvent dans ce qu'on appelle le programme d'éducation par le sport. Et il n'y a pas plus que le sport pour construire un homme, avec toutes les valeurs que cela véhicule. Bon, des pots de banane, il n'y en a pas trop, mais c'est vrai qu'il y a des médisances, il y a des gens qui parlent mal de l'association. Voilà, j'ai même une fois entendu des gens dire on fait mal au football togolais, je ne sais pas où. Mais il y a beaucoup plus de satisfaction que de ces choses-là qu'il faut négliger d'ailleurs dans la vie. Et moi, je vais juste souligner une chose, si vous me donnez l'occasion. Allez-y. Nous avons quelques problèmes dans le football au Togo. Nous passons le temps à... On tourne en rond depuis un certain nombre d'années. Votre radio est l'organe qui le soulève la plupart du temps. Et c'est dû à quoi? Pourquoi le football togolais ne décolle pas? Le football togolais ne décolle pas. Tout d'abord parce qu'il nous manque une véritable base. Vous savez que c'est mon credo. Mais cette base-là, ce n'est pas forcément les académies. Nous avons des clubs d'élite, entre guillemets, qui fonctionnent, qui participent aux championnats d'Afrique, qui jouent les coupes continentales, etc., sans avoir une équipe de jeunes, sans avoir un terrain d'entraînement, sans avoir une salle de sport, sans avoir une base économique solide. La plupart d'entre eux et dans ces clubs-là, difficilement ont un budget bien conçu où on connaît les sources de revenus et où on sait les différentes rubriques qu'on peut inscrire en termes de lignes budgétaires. C'est compliqué. Au-delà de ça, on parle de base économique, mais base juridique. La plupart aussi, l'organisation. Aujourd'hui, la FIFA parle de la restructuration des clubs. C'est important parce que sans cette base-là, quand on parle de base, ce n'est pas forcément des académies. C'est tout ce qu'il vous faut pour être solidement ancré dans le sol et pour faire face à toutes les vicissitudes, à tout ce qui peut vous ébranler. Les grands clubs que nous avons aujourd'hui en Afrique sont des clubs qui sont assis. Ils ont des clubs de supporters, ils ont leurs propres installations, ils ont tout ce qu'il faut pour faire face aux grandes compétitions. Il ne faut pas qu'on s'étonne que nos clubs ne vont pas loin parce qu'il n'y a pas de base. Ils n'ont même pas la relève. Donc, à partir de ça, on ne peut pas estimer faire de grands combats. Au-delà de ça, nous avons un autre problème. Nous avons un problème d'incoordination, si je peux employer cette expression. Tout le monde se lève et nous n'avons que des actions sporadiques. Voilà. Chacun. Si vous permettez, on revient à vous. On va ouvrir des parenthèses et les fermer rapidement, histoire d'aller voir Grégoire Attignon depuis le stade de Kégué où a lieu le conseil d'administration du CNO Togo. Grégoire Attignon, bonjour. Bonjour Franck Elenama, mes auditeurs, bonjour et bienvenue ici dans la salle de l'ING du stade de Kégué qui abrite, comme vous venez de le dire, la réunion du conseil d'administration du comité national olympique du Togo. Mais Franck, est-ce qu'on peut encore parler d'une réunion de conseil d'administration
C'est que pour le moment, le président du comité national, du bureau exécutif du comité national du Togo, Bayor Kimani Azad, n'est pas présent. Son secrétaire général également n'est pas présent. Également, on ne voit pas le deuxième vice-président de cette fédération. Il s'agit de Dieudonné Gagou aussi qui n'est pas présent. Mais les fédérations, certaines fédérations sont bien présentes ici dans la salle de l'INJS en présence d'un membre des représentants du ministère des Affaires, le directeur de cabinet du ministère des Sports. Sont visiteurs bien présents, de même que le conseiller de ministère Mamou Adjiwani. Voilà donc les travaux viennent donc de démarrer par le discours tout à l'heure du porte-parole des pétitionnaires. Il s'agit de M. Assima Pacha, qui n'est autre que le président de la Fédération togolaise d'athlétisme. Les travaux viennent donc de s'ouvrir ici, on vient de s'ouvrir ce discours. Et tout à l'heure, ce sera donc le tour du représentant du ministre des Sports, le directeur du cabinet du ministre des Sports, Franck Mézité, qui va donc prononcer le discours. Grégoire Attignon, oui. Vous avez pu comprendre pourquoi le président Bayor ni son vice-président ne sont pas présents sur cette réunion. Selon les informations, nous sommes allés aux informations, selon les informations qu'on nous a données, paraît-il que hier soir, le président du CMO appelait pour quand même annuler cette réunion du conseil d'administration. Mais les fédérations ont dit non, qu'elles vont donc tenir cette réunion-là. Donc c'est pourquoi on ne voit pas ce matin le président du comité national olympique, son secrétaire également, de même que le deuxième vice-président du bureau, et qui ne sont pas présents à cette réunion. Mais en tout cas, les fédérations, elles ont accepté. Et pour le moment, sur les 23, pour le moment, il y a 14 fédérations présentes donc dans la salle à cette réunion. Voilà. Revenez quand vous voulez. Merci. À très, très bientôt. À tout à l'heure. Grégoire Attignon depuis la direction de l'INJS au stade de Kégué pour cette réunion du conseil d'administration du CNO Togo. Alors, on fait un retour à vous, Florent Kataka. Vous parliez un peu des bases un tout petit peu faussées au niveau du foot togolais. C'est ça. Toute cette base-là, économique, juridique, factuelle, je ne dis pas que forcément pour être un grand club, il faut avoir ses propres installations, mais il faut un minimum au moins d'installations nécessaires pour la préparation et aussi pour les différentes compétitions. C'est important. On dépense des millions, souvent en termes de salaire, mais difficilement, quand vous avez une infrastructure, cela ne profite pas seulement qu'au club, ça profite même à la localité, ça profite aux générations futures. Moi, je ne demande pas, je ne dis pas que tout le monde doit s'arrêter et construire un stade, mais il faut des bases qu'il faut, nécessaires pour que les joueurs puissent évoluer comme il le faut. Mmh. Les joueurs sont obligés d'aller faire des contrats dans les salles de gym. Mmh. Est-ce que c'est normal? Alors qu'on parle de club d'élite, pour avoir une salle de sport, il faut combien exactement? Semassi est capable, par exemple, d'avoir des recettes de plus d'un million pour certains matchs. Par match, d'ailleurs. Capables de le faire. Parfois même, ils vont jusqu'à 1,5 million, 2 millions sur un match. Je vous l'accorde. Alors que vous savez, je connais beaucoup d'académies à Sokodé qui sont d'ailleurs membres de Zafoot. Il y a même une académie qui vient encore de s'affilier. Donc, nous sommes 75e membre. Et qui n'ont pas un budget d'un million par an. Pourquoi ce Massi ne peut pas faire un contrat, par exemple, avec ses académies, récupérer ces jeunes-là? C'est des jeunes, des fils de Tchaoujo. Pas seulement ces Massi, ils sont pleins. Il y a beaucoup nous crions le fait qu'il n'y a pas de relève. On ne peut pas parler d'avenir si on ne prépare pas la relève, qu'on n'injecte pas de temps en temps des jeunes. Bon, j'étais en train de parler donc du deuxième problème que nous avons, au-delà du fait que nous tous nous manquons de base pour un meilleur fonctionnement, les problèmes d'incoordination de nos actions. Il y a beaucoup d'actions sporadiques d'un peu partout. De Zafoot qui fait ses activités de son côté. Vous avez des promoteurs comme Stéphane Tigosou, par exemple, qui est promoteur donc, du football des jeunes. Et vous avez M. Sergio Sport. On a Sport FM. On a Sport FM aussi qui fait ses actions. Ils sont pleins comme ça, ou on est plein comme ça à faire des actions. Il y a ses foot, etc. Mais où est la coordination?
Vous voulez dire qu'il faut coordonner il tout ça. Il faut coordonner tout ça. Qu'il y ait un calendrier bien défini. Bien défini. Sur peut-être une année civile et pour faire les choses. Et effectivement, qu'on puisse capitaliser ces efforts-là. Moi, j'organise par exemple le tournoi international des académies de football du Togo. Ça a contribué véritablement à quoi dans le football togolais? Ça a été qu'une action individuelle. La fédération n'a jamais pris, en tout cas, n'a pas saisi cette occasion pour capitaliser cela. La dernière édition qu'on voulait organiser, on a invité l'équipe U20 du Togo parce qu'ils étaient en préparation et ça devait leur permettre donc de se confronter à d'autres joueurs. Mais ça n'a pas été fait. Tout cela à cause de ces soucis-là où le Togolais est individuel. Chacun veut faire sa chose de son côté et pour dire après que c'est moi qui ai révélé tel joueur, c'est moi qui ai fait ci, alors que c'est une action continue. Avant que un Stéphane Atigozou, par exemple, révèle un jeune, le jeune, il a été formé dans une académie. Ouais. Même s'il n'a pas été formé dans une académie, il y a des gens qui ont agi dans sa vie et qui a permis à ce qu'il se retrouve quelque part. D'ailleurs, c'est un club qui a participé. Et un coup d'œil, donc, un clin d'œil donc à mon cher ami Stéphane. Et avant que Sergio Sport révèle, et on a l'habitude de le dire, à révéler par le tournoi, oui. Mais où est la coordination dans tout cela? On ne l'a pas. Et il est important que la fédération puisse saisir, prendre ces occasions-là pour faire ce qu'on peut appeler la mutualisation des efforts. Mm-hmm. Et c'est ça qui va former une flèche et ça va propulser notre football. Si on laisse tout le monde faire ce qu'il veut actuellement, et c'est ça, c'est l'un aussi des problèmes du football togolais et malheureusement sponsorisé par la fédération, c'est... Je ne tire pas à boulet rouge sur la fédération. Ils font beaucoup d'efforts. J'ai félicité beaucoup la gestion donc, du partage des fonds Covid. J'ai félicité les terrains. Il y a beaucoup de choses que la fédération fait qu'il faut vraiment applaudir parce que ce n'est pas facile. Mm-hmm. Mais quand certaines choses, on peut le dire pour que si ça puisse avancer, il faut le faire. Je crois qu'on est un peu trop dans la complaisance. On ne veut pas faire du mal, on ne veut pas bousculer. Les clubs sont là. Les clubs, on peut obliger les clubs à avoir une certaine organisation. Est-ce que la fédération ne peut pas obliger les clubs aujourd'hui tous à montrer patte blanche? Avant de recevoir, par exemple, une subvention, tu dois montrer que tu as une équipe de jeunes. Est-ce que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué, ça peut se faire. Il suffit seulement de mettre en place donc, une sorte de charte ou un truc que tous les clubs doivent respecter avant de profiter donc, d'un financement. Si vous voulez tenir quelqu'un, il faut le tenir par la poche. On peut faire des financements en cascade. Monsieur, nous avons prévu 15 millions pour cette année. 5 millions, tu l'as automatiquement parce que tu es membre. Mais si tu veux avoir encore 5 millions, il faut montrer, par exemple, que tu as... Au moins, tu as préparé ce qu'il faut pour recevoir des gens. Tu as un terrain, tu es encadré pour que les joueurs soient en sécurité. Tu as des vestiaires au moins pour qu'on puisse aller se reposer là-bas à la mi-temps. Tu as une équipe de jeunes, tu as une équipe féminine. Tu as au moins un email si on veut t'envoyer un courrier. Vous savez que beaucoup parmi eux n'ont même pas un siège où tu peux dire, là, quand je vais ici, là, je peux laisser tel courrier. Et je suis sûr qu'en laissant ça là-bas, ça, c'est le club qui va venir. Malheureusement, aujourd'hui, on appelle les secrétaires généraux, venez chercher le courrier à la fédération. Je crois que la fédération est sur quand même cette voie parce qu'aujourd'hui, on parle de modernisation de l'administration. J'ai vu beaucoup d'actions qui sont en train de préparer dans ce sens, mais moi, je les encourage à être beaucoup plus... être beaucoup plus tranche. Parce qu'il y va. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Si on veut tout le temps renchérir, et vous avez vu, la plupart du temps, on dit, je ne sais pas, ils n'utilisent pas trop l'expression réconciliation, mais ils utilisent ces derniers temps, là, à chaque fois qu'il faut faire un classement où il y a des problèmes, on dit non, on va revoir, il faut apaisement, il faut tout le temps. C'est des choses qui n'arrangent pas notre football. Apaisement. Oui, je pense bien que parfois, on a peur que certains clubs descendent. Je dis ça comme ça. Mais un club qui descend, ça doit le pousser à mieux s'organiser. L'exemple de Fodan, de Dapan a descendu, Dapan n'est pas à feu actuellement. Mais je crois qu'ils sont en train de réfléchir à mieux travailler et pour à revenir avec beaucoup plus de force. Et moi, je les encourage maintenant à installer les bases qu'il faut. Il ne faut pas être pressé de jouer l'élite. Parfois, les gens nous demandent, Soualoz, pourquoi vous ne jouez pas les compétitions? Je dis, on jouera ces compétitions. Mais pour l'instant, on a besoin d'une base. Et quand nous allons nous lancer, nous savons que nous avons tout ce qu'il faut pour nous porter.
Voilà. Très bien. Alors, pour Deuza Foot, ceux qui sont membres, par exemple, aujourd'hui de Deuza Foot, qu'est-ce qu'ils gagnent ? Qu'est-ce qu'ils gagnent, on va dire, depuis 2 ans ? Qu'est-ce qui a changé dans leur vie, dans l'organisation de leur centre, tout ça ? Vous avez des cotisations mensuelles que vous donnez ? Comment fonctionne justement Deuza Foot ? Sur quel fond ? Deuza Foot est le parent pauvre du football togolais. Nous ne nous plaignons pas. Nous sommes une association. Nous sommes constitués de nous-mêmes. Et donc, on ne va pas faire comme d'autres associations. Et ou même des clubs qui estiment que c'est à l'État de leur donner de l'argent et c'est à la fédération de leur donner de l'argent. Non. Toutes les associations, tous les clubs de football, de n'importe quel horizon, sont des associations loi 1901, gestion autonome. Et souvent, on brandit cette gestion-là autonome quand ça arrange. Sinon, tout le monde dit « Ah, c'est l'État qui a voulu qu'on soit dans le système amateur, l'État doit donner de l'argent, l'État... » Non. Si l'État doit jouer sa partition, par rapport aux académies aujourd'hui, nous fustigeons le fait que l'État ne veut même pas donner des agréments aux académies. Qu'est-ce qui se passe ? L'agrément est le lien de tout. C'est ce dont nous souffrons aujourd'hui. Nous n'avons pas d'agrément, nous ne sommes pas reconnus. Quand je dis « nous », je parle de ceux qui sont uniquement académies. Soit l'OZA a un agrément, Future Star a un agrément. En tant que club, parce que nous avons des seniors aussi et nous participons en compétition. Mais en tant qu'unité académie, formation, l'État aujourd'hui n'a pas encore mis en branle tout ce qu'il faut pour pouvoir donner ces quitus-là. Et donc, nous sommes constitués en association, nous cotisons. Il y a une cotisation annuelle qui est seulement de 10 000 francs. 10 000 ? 10 000. Sur toute l'année ? Sur toute l'année. Ben, si on prend tous les membres, ça fait... 750 000, vous êtes au nombre de 75 désormais. Tout, mais si. Ça vous arrivez à faire quelque chose avec ? Ou bien vous avez des partenaires On n'a pas de partenaires, même pas officiels. Il y a des clubs qui participent beaucoup plus, comme Swallows, comme CH Djimounas, comme certains présidents qui disent, OK, à chaque fois que nous avons des activités, nous mobilisons nos membres et nous disons, bon, OK, chacun contribue tel montant. Ça veut dire que nous nous débrouillons nous-mêmes avec nos propres fonds. Et il est très, très rare d'avoir un partenaire derrière nous parce que nous ne sommes pas, entre guillemets, bancables. Nous organisons des choses pour les jeunes et pour faire en même temps le bilan. Nous sommes quand même la seule association en 2 ans. Je ne veux pas faire la fine bouche. Nous en avons fait plus que beaucoup de personnes en plus de 10 ans. Nous avons organisé des compétitions dans toutes les régions du Togo. Donc, bilan satisfaisant. Satisfaisant. Plus à tous les niveaux. N'en déplaise à certains, mais plus que satisfaisant. Nous ne parlons pas seulement. Nous menons des activités sans le soutien de qui que ce soit. Nous avons même planifié l'organisation d'un championnat. On était prêts à organiser. N'eût été la Fédé qui nous a dit non, arrêtez, nous, parce que nous avons un projet comme ça. Nous allons le faire nous-mêmes et nous avons bloqué. On serait en train de jouer un championnat U15 et U17. Avec quels moyens ? C'est du lourd. C'est du lourd, mais on avait tout planifié. Il y avait un partenaire qui était prêt à nous suivre. Vous savez, quand vous-même vous organisez, vous faites votre petit plat à la maison, ça vous coûte moins que d'aller manger au restaurant. Ça, c'est vrai. Donc, nous-mêmes, notre cuisine interne, Franck, si c'est la fédération qui organise, c'est ça le souci. Les gens vont réclamer des primes, les gens vont réclamer des déplacements, les arbitres vont dire « je vais prendre tel », la Ligue va dire « ah, comme je vais faire la base, moi je dois prendre tel », etc. Mais nous-mêmes, on a besoin d'un terrain que la plupart d'entre nous, nous-mêmes, nous avons, même si c'est dans du sable. On a besoin d'un ballon, d'un arbitre, et puis on joue. Bien. Bilan plus que satisfaisant, ce qui vous donne d'ailleurs la force de continuer avec cette association Deuza Foot. Maintenant, lorsqu'on veut parler, on veut entrevoir les projets à venir, qu'est-ce que vous avez dans vos tiroirs et que vous allez sortir bientôt ? Justement, un challenge entre nous-mêmes, d'ailleurs, quand on parlait tout de suite de l'organisation donc des compétitions, de faire jouer les enfants, c'est la nature horreur du vide. Nous n'avons pas vocation à organiser des compétitions. Imaginez aujourd'hui, avec tout le programme déroulé par la fédération, si un championnat régulier, U15, U17, U19, a lieu, pourquoi nous serons encore en train d'organiser des compétitions ? Peut-être entre nous, juste pour des activités ponctuelles.
Et c'est l'un aussi des problèmes que nous avons par rapport donc à l'organisation donc des différentes compétitions. Le souci, c'est que vous avez donc une organisation qui ne vous permet pas effectivement de vous projeter comme il le faut, parce que nous n'avons pas vocation vraiment à le faire. Le projet que nous avons aujourd'hui, c'est d'abord faire de sorte que des académies soient homologuées, soit aient un agrément. Si nous avons l'agrément, les académies ont l'agrément, ça veut dire qu'elles sont reconnues par l'État. J'ai fait plusieurs fois le corollaire avec les écoles privées laïques que l'État était obligé d'autoriser parce que l'État ne pouvant pas créer des écoles dans tous les pays. Il y a des enfants aujourd'hui, Franck, qui disent « Moi, je ne veux pas être médecin, je veux être footballeur. » C'est à l'État de répondre à leurs questions et de leur donner l'outil pour le faire. Mais aujourd'hui, si on ne veut pas donner des autorisations aux académies, les enfants se forment où ? J'ai moult fois dit que les enfants ne se forment pas à l'école. Ça m'a valu souvent des critiques. Parce que oui, la dissu fait un travail énorme. Beaucoup. Mais un travail de révélation des talents. Mais la formation se fait dans les académies. Quelle école primaire forme un enfant aujourd'hui ? Non. Les enfants se forment. Et d'ailleurs, vous avez entendu il y a deux ou trois jours... Et quelques jours, le ministre de l'Éducation dit encore que les mercredis soirs et les samedis, on va occuper les enfants. Je pense que je ne me trompe pas, parce que ça a été dit. Alors que nous crions qu'aujourd'hui, il faut laisser place à la culture et au sport. C'est ça qui construit l'homme. L'école, d'abord, mais l'école associée à la culture et au sport, ça forme plus les jeunes. Très ça leur bien. Donne beaucoup plus d'outils. Mais on occupe les enfants mercredi après-midi, samedi. Les enfants n'ont même pas un petit temps. Alors vous n'êtes pas d'accord sur cette Je ne suis pas du tout d'accord. Ce n'est pas ça. Moi j'ai des enfants. Mon enfant, mes enfants, elles sont dans un programme sport-études. Ça ne les empêche pas de réussir brillamment à leurs études. Parce que le matin, elles sont à l'école, mais l'après-midi, je fais tout pour qu'elles soient dans un programme journée continue. L'après-midi, elle est sur le terrain. Elle a le temps de revenir, se reposer, mais ça forge leur mental. C'est d'une autre façon qu'elles s'occupent de leurs études. Donc, on a vraiment besoin que l'État ouvre les horizons, se dise qu'il n'y a pas que l'école, oui, c'est bien, c'est l'instruction, mais il n'y a pas que ça dans un pays. Il y a le sport, il y a la culture. Il faut laisser la possibilité aux enfants d'avoir donc la latitude une fois sortis de l'école. Et d'ailleurs, trop d'école aussi, ce n'est pas bon, moi je l'ai dit. Sortis de l'école, que l'enfant puisse aller peut-être jouer de la flûte, ou bien aller faire la danse, ou aller jouer au football. Se distraire la distraction, voulez-vous dire. Oui. Mais j'aime pas trop distraction parce que souvent, effectivement, on inscrit le sport dans la distraction. C'est ça qui fait qu'ils pensent que, ouais, il peut se passer de ça. Quand l'école commence, on bloque tout ça. Non. Aujourd'hui, le sport est devenu même un moyen de développement économique. Au niveau de Deux à Foot, vous donnez de l'importance au foot féminin aussi ? Effectivement. Oui. Le foot féminin, on parle de la formation, et quand on parle de la formation, on est dans le sport des enfants, des jeunes, et les filles aussi en font partie. Et donc c'est important quand même de mettre l'accent là-dessus, parce qu'aujourd'hui la FIFA a des piliers sur lesquels ils mettent beaucoup plus de financement, au-delà du financement, insistent beaucoup plus. On parle d'abord de la modernisation de l'administration, on demande d'avoir des départements, des hommes qu'il faut, etc. On parle effectivement du football à la base, du football des jeunes, surtout parce qu'ils sont dans l'esprit de la démocratisation du football, que le football aille partout. On parle du football à l'école, justement, avec l'appui, avec la dissu. Je crois qu'ils font aussi un bon boulot, mais tout cela doit se faire en coordination. J'ai parlé d'une chaîne d'action, des académies qui forment, l'école qui révèle, et Sport FM qui révèle, Grain du Togo qui révèle, et tout ça doit se faire en coordination, sans oublier même l'INJS, qui doit jouer un rôle important dans tout ce processus-là, parce que c'est eux qui forment et qui ont délégation aujourd'hui de l'État de former des éducateurs sportifs et culturels. Mais ils sortent, ils sont au chômage, alors que les académies en ont besoin. Ils sont au chômage. Si l'État veut contrôler tout le système footballistique du Togo, il est important, par exemple, de donner des agréments aux académies et de placer ces professeurs d'INJS. Et là, ils sont sûrs que la formation qui se donne là-bas, c'est une bonne formation.
en coordination avec la direction technique nationale, je crois qu'on aura une mayonnaise qui va nous porter beaucoup plus loin. Très bien. Et donc, nous sommes dans, dans cette logique-là qu'il est important aujourd'hui d'insister sur tout ce dont insiste la FIFA, donc le football féminin. Très bien. Et tout le monde sait, malheureusement, c'est quand on dit c'est ça qui est financé, on court vers là. Mais nous, on a réussi une chose et je crois que personne ne peut nous l'enlever. Quand je dis nous, je parle de toutes les organisations qui luttent pour le football et des jeunes. Vous avez vu les dernières élections. Il n'y a pas un seul staff ou candidat qui n'a plus parlé du football à la base. Alors qu'avant, ben, c'est relégué au truc. On parle tout le temps de voilà, les clubs, le club élite, celui-ci a gagné. Non, non, non. Aujourd'hui, on a imposé ce débat-là. Et la preuve, la fédération nous associe maintenant à toutes les réflexions liées au football des jeunes. Très bien. La fédération aussi a fait un geste louable en nous octroyant 2 millions de francs CFA, du moins pour ce qui concerne notre association. Pour les fonds Covid. Pour les fonds Covid. Très donc bien. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance aujourd'hui. Et il reste maintenant que l'État mette maintenant le pied à l'étrier pour permettre à ce que les académies soient homologuées, qu'ils soient contrôlés, que les professeurs de l'INJS, avec qui on peut faire un partenariat pour maintenant bien former les jeunes et permettre à ce que l'action soit coordonnée et nous tous, tout ce que nous faisons, on puisse permettre de capitaliser les efforts. Dernière question avant votre conclusion. Quelles sont les relations qui vous lient à l'autre association, la CFOOT? Question qui revient très souvent. Naturellement. La dernière fois, le coach Wakil, qui est secrétaire général de la CFOOT, m'a appelé pour une prochaine action commune. Et Togolais, on aime ça. Ils ne s'aiment pas. Bon, je peux dire la même chose par rapport à la GICIT et puis l'autre organe. La GST. La GST. Donc, c'est ça. On n'aime pas souvent qu'il y ait. Oui, ils peuvent s'unir. Oui, si, on peut s'unir. On peut le faire. Demain même, on peut le faire. Mais sur quelle base? Pour faire une telle chose, il faut quand même avoir des objectifs. On peut se mettre ensemble, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, nous, on dit. On tire le bras gauche de la Fédé du ministère des Sports, à ces foot tire le bras droit et on les fait avancer. Très bien. Donc pour l'instant, il y a une bonne coordination. Nous maisons, je vais, quand ils font des formations, j'y vais, je les invite, ils viennent. D'ailleurs, le tournoi international des académies de football, on a invité une équipe de AC Foot. D'ailleurs, et comme par hasard, c'est la sélection de 2A Foot qui a rencontré la sélection de AC Foot en finale. Bon, 2A Foot a gagné. Bon, mais tout ça, c'est le football à la base. C'est le football à la base qui gagne. Donc, il n'y a pas de souci là-bas. Je crois que s'il faut finir sur une chose rapidement, c'est que il faut qu'on coordonne nos actions. Ouais. J'ai donné beaucoup d'exemples, Sport FM, Graines du Togo, Stéphane Atigosu, Sergio, Dezavoud, Sergio, tout ça, chacun fait ses choses, son petit plat de son côté. Il faut qu'on mette tout ça là ensemble et d'ailleurs que ce soit bien planifié. On parle aussi des équipes de jeunes. On doit les U15 qui évoluent ensemble. Ce n'est pas l'année prochaine ou l'année suprochaine où ils doivent être en U17. On retrouve encore toute une autre équipe Karma. Et on est sûr que non, que ça va aller. Après, on crie que l'équipe nationale n'est pas performante. Non, tout vient de la base. Pas d'école primaire, pas d'université. Je finis avec ça. Très bien. Florent Kataka, administrateur principal du Centre Swallows et président de Zeusa Foot. Bon courage à vous, bonne chance pour la suite. Et joyeux anniversaire, on peut vous le dire? Bien sûr, bien sûr. Très bien. Je vous remercie. À très bientôt. Merci de nous faire confiance. C'est Samedi Sport qui se poursuit. On va dire bonjour aux invités qui viennent de nous rejoindre. Il s'agit donc de Moudib Falana, directeur de publication du journal Mérite Sportif. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck Nounyama, bonjour aux fidèles branchés. Aristide Quévidien, Afrique Info Sport, tout va bien? Tout va bien, bonjour, bonjour à tous. Très bien, Augustin Amégal, lui, le patron de la communication autour des éperviers. Merci d'être au rendez-vous, bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux confrères, bonjour aux amis auditeurs. Très bien, et voilà, on va retrouver Guller, pas Guller, il va arriver, mais pour l'instant c'est Grégoire Attignon depuis Kégué, où a lieu la réunion au niveau du conseil d'administration du CNO Togo. Vous savez que depuis un moment, il y a une crise qui ne dit pas son nom au Comité National Olympique. Eh bien, il y a des pétitions et on va vérifier ce qui se passe là-bas. Grégoire Attignon. Oui, Franck, on revient ici à la salle donc de l'INJS qui abrite donc cette réunion du conseil d'administration du Comité National Olympique du Togo, si on peut encore l'appeler ainsi. Mais nous sommes avec président, le porte-parole des pétitionnaires, Monsieur Assima Pacha, il s'est lui le président de la Fédération Togolaise d'Athlétisme. Monsieur le président, bonjour. Oui, bonjour. Alors cette réunion extraordinaire, pourquoi?
Oui, cette réunion extraordinaire, c'est pour discuter et pour se mettre d'accord. C'est une réunion d'éclaircissement, ok? Parce que vous savez que depuis quelque temps, il y a des problèmes au sein de notre Comité national olympique du Togo. Et les présidents de fédération, par voie de pétition, ont demandé l'organisation d'un conseil d'administration qui a été d'abord accepté. Et puis il y a eu quelques péripéties, mais à l'analyse juridique de nos textes, eh bien, il s'avère que le conseil peut tenir. Et ce matin, nous tenons ce conseil-là. Donc, ce conseil n'est pas tenu. Ce n'est pas le lieu de un champ de bataille. Et nous le tenons d'abord pour avoir l'information, échanger et puis faire des propositions pour voir comment on peut avancer, comment la situation peut être améliorée et quelles décisions prendre pour que le couloir puisse bien fonctionner. Et je crois que vous avez l'autre jour, on va discuter aussi de la date du prochain congrès et discuter aussi des sanctions qui ont été prises. Parce que il y a des suggestions qui laissent entendre que ces sanctions n'ont pas été prises conformément au texte. Donc, il s'agit au fait que nous puissions nous retrouver en famille pour pouvoir comprendre la situation et ensemble pouvoir trouver les solutions pour qu'on puisse aller et pour qu'on puisse avancer, quoi. Vous savez, dans le CONOT, c'est vraiment la grande famille des sportifs. Donc, c'est vraiment dans un esprit de fair play, de respect mutuel et de compréhension que cette réunion-là, c'est dans cet état d'esprit-là que cette réunion-là se tient. Voilà. Voilà, mais le constat est que le bureau exécutif du Comité national olympique n'est pas présent, le président, le secrétaire et d'autres membres ne sont pas présents ce matin. Et cela n'est pas nécessaire à l'organisation, c'est ce qui est souhaitable. Je crois qu'il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est un conseil d'administration ordinaire. Et je crois que on en a, depuis que moi j'ai été président, je n'ai jamais assisté à un conseil d'administration extraordinaire. Ça fait 3 ans quasiment. Alors, deuxième voie, le président peut convoquer seul. Et puis, la troisième voie, c'est par voie de pétition. Par voie de pétition, les textes demeurent muets sur les modalités d'organisation. Or, les mêmes statuts prévoient, en fait, les cas imprévus. Voilà. Donc, en se référant au statut des cas imprévus, bien, nous avons la possibilité de tenir, nous, les pétitionnaires du conseil d'administration, au mieux des intérêts du CNOT. Donc, en réalité, et à l'issue de ces échanges, nous pouvons aussi retourner avec auprès de nos frères et aussi pouvoir partager le fruit de nos réflexions, de nos suggestions, puis qu'on puisse avancer, quoi. Oui, voilà. À l'heure du jour, vous avez parlé donc des décisions prises entre-temps par le bureau exécutif, l'absence donc des réunions extraordinaires. Et maintenant que le bureau exécutif n'est pas là, est-ce que vous allez encore débattre sur ces points? Oui. Oui, bien sûr. Le conseil d'administration est au-dessus du bureau. Vas-y, vous voyez, c'est le conseil d'administration. Nous avons tout pouvoir vous pour... Vous voulez demander des comptes à ce bureau? On ne peut pas parler de demander des comptes. C'est-à-dire, au cours d'un conseil d'administration, on examine la situation, on dresse un constat lucide. Nous ne sommes pas sur un champ de bataille. Par rapport à ces constats, eh bien, on prend des mesures pour que les choses puissent bien marcher. Donc, le conseil n'est pas organisé contre quelqu'un. C'est organisé dans l'intérêt de tous, y compris de ceux qui sont là comme de ceux qui ne sont pas là. Donc, ce n'est pas dans une logique de confrontation que le conseil se tient. C'est-à-dire, et au niveau de la grande famille du CNOT, il y a ce qu'on appelle la sportivité, le fair play, l'acceptation, la courtoisie. Et je crois que j'ai fait référence à ces notions-là au moment où je souhaitais la bienvenue à toutes les délégations. Donc, c'est dans cet état d'esprit que je crois que nous sommes là. Et je crois que c'est un consensus par rapport à ce point. Donc, ce n'est pas du pugilat. Ce n'est pas de l'acharnement contre des gens qui ne sont pas là. Quand bien même on dit que les enfants toujours dans. Mais ce n'est pas ça. Mais c'est plutôt comprendre ce qui se passe. Puisque si les conseils ne se tiennent pas, nous, on ne sait pas et comment on appelle, on ne sait pas ce qui se passe. Et ils revenaient aussi aux autres d'être là aussi pour nous dire aussi leur vérité. Ce n'est pas contre eux. C'est-à-dire que nous ne faisons pas partie du bœuf. Le moyen que nous avons aussi pour nous informer, pour que les uns et les autres s'expliquent, pour que nous puissions nous entendre, ce sont aussi les conseils d'administration. Donc, c'est dans cet état d'esprit-là. Donc, ce n'est pas quand on organise un conseil d'administration, même par voie de pétition, ce n'est pas pour une confrontation, non. Précisément, si ça marchait, ce n'est pas par une pétition qu'on organise un conseil d'administration. C'est pourquoi ce conseil d'administration est extraordinaire. Si ça marchait, il devait avoir un conseil d'administration ordinaire.
Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est ça. Voilà. Maintenant, vous avez prévu également un point à l'ordre du jour, la fixation de la date de l'Assemblée générale de cette institution. Est-ce que maintenant, quand le bureau n'est pas là, est-ce que le conseil d'administration peut quand même prendre une décision concernant une date, hein? Oui, bien sûr. Il y a des mécanismes juridiques qui permettent aussi de convoquer aussi une Assemblée générale. Voilà. Donc, vous allez fixer aujourd'hui la date de cette Assemblée générale? Bien sûr, nous allons faire nos travaux. Si le consensus se réalise, je crois que tout sera fait. Il n'y a aucun problème. Nous ne sommes pas là pour... nous ne sommes pas des plaisantins. Nous sommes là pour aider au meilleur fonctionnement. Donc, nous prenons notre responsabilité. Les tests nous disent qu'en conseil d'administration extraordinaire, eh bien, si le bureau n'est pas là, nous devons et gérer la séance au mieux des intérêts du CNOD. Je crois que c'est ça. Et si nous le faisons au mieux des intérêts du CNOD, nous le faisons aussi bien pour ceux qui sont là comme pour ceux qui ne sont pas là. En réalité, nous nous connaissons tous, nous sommes tous des amis. Il peut y avoir des divergences, des points de vue, mais nous ne sommes pas des ennemis, nous ne serons jamais des ennemis. Je crois qu'à l'issue de ça, les concertations se poursuivront et on s'en sortira. Alors, voilà donc ce qu'on peut dire, Franck. Je ne sais pas si vous avez une question. Non, c'est bon. La parole des pétitionnaires. C'est bon, on est à l'écoute. Vous revenez dès qu'il y a du nouveau. Qu'il y aura encore du nouveau dans la mesure où les journalistes n'ont plus accès donc, à la salle, là où se tient donc la réunion. Ils nous ont tout simplement dit de sortir et qu'on va revenir à la fin donc, voilà, il y a M. Pacha qui va beaucoup plus expliquer sur ce point. Mmh. Oui, disons que la composition du conseil d'administration est définie par les statuts, les textes. Donc, nous ne pouvons pas déroger à ces textes. Ça veut dire que les textes ne mentionnent pas expressément la présence des journalistes au cours du déroulement de la séance. Donc, voilà. Donc, pour respecter les textes, nous avons été contraints de prendre cette mesure qui n'est en rien une mesure contre les journalistes dont nous avons besoin, mais simplement pour pouvoir nous conformer aux textes que nous sommes donnés. Mais le compte rendu sera fait. À la fin de cette réunion, comme disais-je. Voilà. Merci donc, Monsieur Assima Pacha. Il est le porte-parole des pétitionnaires. Donc, Franck, on peut dire que la réunion se poursuit donc ici et ce sera sans les journalistes qui vont peut-être intervenir à la fin donc de cette séance. Du courage à vous. À très, très bientôt. En tout cas, les tests ne disent rien par rapport à ça, ce qui veut dire que les journalistes peuvent rester. Bon, ça me vient l'idée comme ça, mais bon. Bon, on va y aller. Allez, voilà, c'était le compte rendu, si on peut le dire ainsi, depuis Kégué par rapport à la réunion du conseil d'administration du CNO Togo. Et à noter que le président de cette institution, Kélani Azad Bayor, n'est pas présent. Son deuxième vice-président, Eric Gagou. Bon, je ne sais pas si... Parce qu'il y a deux Gagou. Hein. Donné, voilà. Ce n'est pas Eric. Eric, c'est Ange, le président de Ange. Voilà. Dieudonné Gagou. Et puis le secrétaire général, Akpaki Deladem. Ils ne sont pas présents pour cette réunion. Mais le représentant du ministre, Franck Micité, est bel et bien présent. Ça veut dire quelque part que c'est du sérieux. Assima Pacha l'a dit, qu'ils ne sont pas des plaisantins. On verra ce qui va arriver à la fin de cette réunion. Vivement que le CNO Togo puisse trouver des solutions. Parce qu'on peut le dire, comme on le dit souvent, c'est la mère des sports au Togo. Hein, voilà. Donc, ce ne sera pas bien vu de voir cette institution sombrer dans une crise qui ne dit pas son nom. Et voilà. On va commencer par parler des éperviers qui ont des rendez-vous très bientôt, mais qui avant préparent un stage en terre tunisienne. On va le voir tout à l'heure, on va vérifier tout ça avec le patron de la communication de cette sélection. Mais avant, on va voir, ou bien redécouvrir, la liste des joueurs convoqués par Claude-Marie François, le sélectionneur des éperviers du Togo. Il s'agit de Abochi Dové de JDR Stars en Afrique du Sud, Agbozo Klousse du Dynamique Togolais, Aïba Moubarak de l'SOTR, Amma Chouchoui Kanyevi de Boboule Soudaného. Ils sont convoqués pour la première fois, Doké Josué et Ate Youssoufou du Centre Wafa du Ghana, tout comme Ameni Do Etienne d'Osnabrück en Allemagne, Bessile Loïc de Bordeaux en France et Donou Hubert du Cesfacien de la Tunisie qui vont porter la tunique jaune. Dans cette liste des éperviers, on note le retour dans le nid d'Amevo Maouna et de ses
Serge sont également appelés Floyd Haïté, Barcola Malcolm, Ilas Bebou, Denke Kevin, Dosservi Mathieu, Jen Dakonam, Bignon Simon et Nen David. Le sélectionneur français a coché également le nom de Laba Fodo, Steve Lawson, Peniel Mlapa, Gilles Sounou et de Tchakei Marouf, sociétaire d'Asco de Cara. Grégoire Attignon, encore une fois, merci Augustin Améga. Voilà les joueurs convoqués par le sélectionneur Claude-Marie-François Leroy. Il y a du nouveau, il y a ceux qui font leur retour. Et puis, ce qu'on connaît, comme on va dire, l'épine dorsale même de cette sélection, les Jenda Konam, les Laba Fodo et tous les autres sont présents. Ouais, vous avez presque tout dit. Belle présentation de l'équipe. Je pense que l'essentiel des habitués sont là, en dehors de Oussama Hakim, qui lui est blessé, de Lalawele Atakora, qui depuis un moment... est en discussion pour signer avec un club. Pour, en dehors de ces deux-là, je pense que l'essentiel des habitués sont là. Et maintenant, il y a les nouveaux. Grégoire les a cités. Nous avons cinq en tout, dont deux binationaux qui ont eu à jouer en équipe de jeunes pour Bessilé pour la France et pour Étienne Aménido pour l'Allemagne. Étienne Aménido, c'est un élément qu'on désirait depuis pratiquement 3 ans. C'est maintenant qu'il a accepté de venir. Et vous avez le jeune Hubert Donou qui lui avait déjà fait la sélection locale avant de partir, qui est maintenant en Tunisie. Il a été longtemps, stoppé dans sa progression par une série de répétitions de blessures. Et l'année dernière, il a réussi à faire quasiment une saison pleine avec l'équipe de Tatooine, où il a été prêté par le club spacien. Il vient de rejoindre le club spacien. Et puis, il y a le jeune Ate Youssoufou, latéral droit aussi, qu'on suivait depuis un moment. Et le plus jeune du groupe, c'est Josué Doké, qui aura ses 17 ans en avril prochain. Très bien. On va encore ouvrir des parenthèses et les fermer. Le temps pour nous d'aller du côté... du septentrion du Togo. Guler Inoussa, bonjour. Bonjour Franck Nouyama, bonjour aux fidèles auditeurs de la restaurant sportive. Bonjour aux autres confrères, tous ceux qui travaillent pour l'avancement de cette maison, tous ceux qui financent, que ces hommes-là baignent dans le sang du Christ. Bonjour Franck Nouyama. Pourquoi pas dans le sang d'Allah ? Vous êtes musulman, voilà. Vous. Bon, alors, ils sont les mêmes. Oui, c'est nous qui mettons la différence. Hein. On a tous un seul Dieu qui contrôle tout. Une petite parenthèse, je crois que le catholique, quand on dit au nom du Père et du Fils, il dira Amen. Hein? Et maintenant, un musulman à côté dira Amin. Ah, c'est voilà. Tout. Voilà, c'est fait. Alors, on dit quoi? Nous, il y a ma foi, avant d'attaquer peut-être le bilan des différentes ligues, nous allons vous dire que le congrès devrait avoir lieu à l'instant T au niveau de l'AS Bina, est reporté pour le 3, indépendamment de la volonté des cadres et du bureau sortant de l'AS Bina, a-t-on appris de la part de Gilles Assima, membre du comité d'organisation. Mais Gueulère, tiens-toi bien, le 3 au petit matin, on connaîtra le nom du nouveau locataire de l'AS Bina, fin de citation. C'est la deuxième information, et cette fois-ci, Franck Nouyama, C'est fait. Les fonds Covid du côté de Unisport Football Club de Sokoré. Hier, très tôt le matin, j'ai l'impression que certains joueurs n'ont pas fait la prière de 5 heures. Dès que le téléphone a sonné, je crois qu'ils se sont précipités vers la banque Basic où chacun est rentré en possession de ses fonds. Nous, Yama Franck, quand on les voyait en petit groupe, une petite parenthèse, c'est qu'ils disaient qu'ils n'ont pas encore reçu les fonds Covid. Mais toute la journée d'hier, je n'ai vu aucun joueur d'Unisport dans la circulation, Franck Nouyama. C'est rentré. Ils se sont cachés. Dans les poches des joueurs, du staff technique et tous les acteurs qui doivent bénéficier. C'est fait cette fois-ci. Félicitations à l'honorable député Amadou Machoud, tout le staff technique, le secrétariat d'Unisport de Sokoré, sans oublier les finances de la Fédération Togolaise de football. Tout le monde a retrouvé le sourire, mais ils ont disparu dans la nature comme le sel dans l'eau, ou le sucre. À tout à l'heure. Vous voulez qu'ils passent chez vous? Ce n'est pas de leur habitude. Hein. C'est quand ça ne vient pas, on se plaint
Et après, quand c'est fait, on disparaît. Quand ça ne vient pas, on nous prend comme des mercenaires. Mmh. Et quand ça vient, on disparaît comme un serpent qui rentre dans les herbes. Bien. Frère Kounouyama, c'est une petite parenthèse, allons-y. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui explique ce retard? On sait que les autres clubs ont eu leur part depuis. Qu'est-ce qui explique ce retard du côté d'Unisport? Non, mais ce retard est dû, à la mauvaise gestion en partie du bureau d'Unisport de Sokoré. Hein. Je crois que quand Amadou Machour, vous savez, vous êtes un homme des finances, quand il a pris la commande d'Unisport de Sokoré, il a changé le numéro de compte du club, mais au moment de virer l'argent, c'est au secrétaire d'Unisport de Sokoré de prendre attache rapidement avec son patron et signaler cela à la comptabilité de la Fédération Togolaise de football qui va rapidement mettre les fonds sur le nouveau compte créé par le président d'Unisport Football Club. Cela n'a pas été fait, l'argent a été vidé sur l'ancien compte, et pour pouvoir signer et prendre ces fonds au niveau de la poste, il faut que ce soit l'ancien trésorier et l'actuel secrétaire général, ils sont arrivés. Bref, il y a eu quand même quelques couacs au niveau du numéro de compte. La fédération n'a pas envoyé la sur le bon compte, il a fallu faire des tractations pour pouvoir récupérer ces fonds-là au niveau de la poste et déposer ces fonds sur le nouveau compte qui est au niveau de la banque BESIC. Et c'est ce qui a retardé vraiment cela. Vous savez, les joueurs, bref, n'ont pas vraiment digéré cela. Mais depuis que c'est rentré en compte, le sourire est revenu aux lèvres. Mais ils ont disparu dans la nature, Franck Mounyama. Très bien. On passe à autre chose. De quoi s'agit-il? Voilà, on va passer à Franck Mounyama, hein, au bilan des trois ligues du Septentrion, Franck Mounyama. Très rapidement. Et je crois que pour la Ligue des Savanes, dès qu'on a mis sur pied ce comité de réforme des ligues, et puis quelques semaines plus tard, le président Thiévy, parti en France pour une formation, et a laissé place à son vice-président qui n'est autre que Patral, que le reste du groupe ont fait un travail extraordinaire, des conseils par ici et par là, et surtout les équipes féminines de Mango et de Tandjoua, qui ont réussi l'autre saison à faire Koussi-Koussa pour pouvoir s'en sortir. Il y a eu aussi l'organisation du congrès électif des 7 districts de la Savane, et là on croit qu'ils ont réussi quand même le pari. La suite c'est samedi prochain pour le congrès électif au niveau des ligues. On vous l'a déjà souligné, il y a eu 2 listes au niveau de la Savane, et c'est samedi prochain à 7h30 qu'on connaîtra entre M. Kanga et M. Nourundine, entre les deux qui sera le nouveau locataire. Au niveau de Caras, la Ligue des réformes de Carab, qui a presque tout réussi. Les filles de Bella, la saison écoulée. Ces filles ont perdu en finale nationale, c'était à Lomé. L'organisation du championnat national de 3e division au niveau de cette ligue, et au finish, la montée avec le titre de champion de la D3 du CDF à Knour de Bafilo, et le retour historique de l'équipe de Bunga, football club de Ketao, dans le championnat de 2e division. Pour l'organisation aussi, il y a eu aussi une organisation parfaite du congrès des districts, et surtout avec l'arrivée de l'AS Binan en première division. Cette équipe de Pouka, il devait avoir un congrès aujourd'hui, mais ce n'est que reporté de quelques jours. L'arrivée en première division de l'AS Binan, c'est sous la houlette du comité de réforme de Cara, avec l'ancienne ligue où il y avait eu l'ASK et Sara, le soir de Bafilo, qui sont arrivés. La première division, les différentes coupes organisées par ici et par là, au niveau de Kara, Bafilo, Pagouda, Niamtougou, Kanté, et puis un peu partout, ils ont réussi vraiment avec cela. Il ne faut pas aussi passer sous silence le titre de champion de l'ASCO Football Club de Kara, et c'est ce qui a permis à cette nouvelle liste que chapeaute El Hadjama Marcelin Chérif d'être dénommée la consolidation. Le travail a été fait d'une manière extraordinaire, et la suite, vous le savez très bien. Pour la Ligue des réformes de centre de football, on note la montée de l'Union Sportive d'Agbandi en D2 et en D3. Plusieurs équipes ont fait un parcours moins bon. Il faut noter que le vice-champion du Togo est venu de Sokoré, qui n'a autre que Unisport Football Club. C'est l'ère du comité des réformes de la centrale. Mais le négatif aussi, hein, le négatif pour ces trois ligues, à savoir la Ligue des réformes du centre, la Ligue des réformes de la Cara, la Ligue des réformes des Savanes, le négatif pour les trois ligues du Septentrion,
les choses sont tellement verrouées hein, en matière d'élection au niveau des trois comités de réforme. Ça, il faut avoir le courage de dire la vérité, d'où vient cette manière de faire. Il faut aussi souligner que certains n'ont même pas appris qu'il y a eu des listes ouvertes pour les districts. Certains n'ont même pas appris qu'il y a des listes ouvertes pour les élections à venir des deux et des trois qui sont mis devant le fait accompli quand on va s'interroger qui a qui le tort, mais d'où vient cette manière de faire. Nous, il y a ma France, c'est le football togolais. Il faut chercher vraiment à déverrouiller tout, mais vraiment, il faudrait quand même reconnaître que même la communication pour avoir des informations au niveau des trois ligues par rapport à ce qui concerne ces élections des districts qui se sont déroulées dans de bonnes conditions et les élections à venir. Vraiment, c'est des 4-7 francs pour Nounyama. Merci. On va se dire au revoir, à moins qu'il y ait autre chose. Et puis, nous allons aussi présenter hein, nos condoléances les plus attristées à l'équipe de l'ASOTR de Lomé, qui a perdu, bref, un fidèle auditeur de Sport FM, le douanier Agouda Abalika. Je crois qu'il doit être inspecteur des douanes, Agouda Abalika, qui nous a quitté vendredi dernier. Et dès que vous arrivez au bureau, Sport FM, 100% Sport FM, et je crois, il nous quitte. Vouloir ce que Dieu veut est la seule chance qui nous mette en repos. Mon frère, va, te repose un peu au royaume des cieux. Justement, Guler Inoussa, merci et à très très bientôt. Excellent week-end. Voilà, donc Guler Inoussa, on parlait des éperviers du Togo avec les nouveaux venus, ceux qui font leur retour comme... Amévor Mahouna aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'il n'est plus venu en sélection. Claude Leroy a revu quelque chose en lui, certainement, c'est ça ? Il y a aussi le fait que Hakim soit blessé et que de l'autre côté, Amévor, qui entre-temps aussi il n'avait pas connu une stabilité dans sa carrière. Vous avez vu, il était entre-temps en Angleterre, après au Maroc. Bon, il n'avait pas connu vraiment une stabilité. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'il est au FC Eindhoven où il est titulaire et où il fait de bonnes choses. Donc l'entraîneur a voulu le voir de près parce que quand il était venu, il n'a vu que des vidéos de lui. Il n'a jamais vu un match physique comme tel. Donc il a souhaité le voir. Loïc Bessilé, on a envie de dire que c'est un peu... C'est allé très vite. Oui, Loïc Bessilé, c'est allé très vite. Je pense que ce qui a pesé dans la balance, c'est la renommée de Claude Leroy quand il était passé au Cameroun. Parce qu'on le sait, le papa de Bessilé, il est camerounais. Et c'est sa maman qui est d'origine togolaise. Et quand nous avons appris la présence de Bessilé à Bordeaux, on a d'abord contacté Thibaut. C'est Thibaut qui nous a confirmé la présence du joueur là-bas et qui a même fait les premiers contacts et qui nous a mis en contact avec le joueur. Et au départ, le joueur n'était pas prêt. Il voulait d'abord avancer dans sa carrière, voir du côté de la France. Mais quand le sélectionneur a parlé avec lui et ses parents ont décidé tout de suite que c'est une chance pour lui. De travailler avec un entraîneur de cette carrure qui a fait progresser beaucoup de jeunes qui après sont devenus des professionnels confirmés. Et donc ça a joué dans le choix de Bessilé qui, comme vous le dites, c'est vrai, c'est allé très vite. On voit aussi d'autres jeunes comme les Até Youssoufou et puis un autre joueur du centre Ouafa. Ouafa. Até Youssoufou, c'est depuis 2 ans quasiment qu'on le suit. Parce que au poste de latéral droit, nous n'avons que Steve Lawson, qui est le seul à ce poste, qui en fait est formé à l'origine comme milieu défensif. Et d'ailleurs, il joue beaucoup plus en club comme milieu défensif. Donc, le coach était depuis à la recherche d'un latéral droit qui puisse, qui ait aussi des qualités offensives. Et ça fait 2 ans qu'on suit Até. Até est titulaire à Ouafa. C'est d'ailleurs lui qui joue tous les balles arrêtées là-bas. Et le coach a estimé que... D'abord, contre l'Égypte, déjà, il était dans le groupe pour le voir. Et malgré que les compétitions sont arrêtées, il a souhaité le voir pour ce match-là. En tout cas, la reconstruction continue. Et vous avez parlé de Josué aussi. Ouais. Josué, lui, il a...
Il a que 16 ans et demi. Mmh. C'est en avril prochain qu'il aura 17 ans. Lui aussi, ça fait 2 ans que le coach le suit. Il a découvert, quand il était allé voir les jeunes jouer à la BCAO, il y a 2 ans, et il avait suggéré au coach Nouchoudjian de l'équipe nationale U17. Et donc, il avait amené au tournoi du Niger, où il a fait très bonne impression là-bas. Après, l'année dernière, avec Wafa, il était à un tournoi, le AT Tour en Autriche, où malgré la présence de grands clubs comme Barcelone, Chelsea, Arsenal, Leipzig, il a été sacré meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi. Et depuis, il est très suivi par beaucoup de clubs. Et le coach a estimé que amener un jeune joueur comme ça en équipe nationale qui lui permette de se familiariser avec des joueurs de haut niveau, faire progresser très vite les jeunes. C'est une tradition, il a toujours fait, vous rappelez, au Cameroun, il a amené Samuel Eto'o à la Coupe du Monde alors que Samuel Eto'o venait d'avoir à peine 17 ans. Il a fait pareil au Ghana où il a convoqué pour la première fois le jeune André Ayo à 17 ans. Et même ici, les Thibaut, les Nyavedi, les Yenoussi, qu'il a convoqué. Nous avons estimé trop tôt en sélection, mais on voit bien que ces jeunes ont quelque chose, puisque après ils ont été repérés par des clubs et qui sont aujourd'hui à l'extérieur, et ils constituent probablement l'avenir du football togolais. Très bien, oui. Aristide Covidien, au niveau d'Afrique InfoSport, comment avez-vous analysé la convocation, sinon les convocations du sélectionneur? Non, je pense que dans cette liste des 25 joueurs, on a retrouvé, comme vous l'aviez si bien dit dans le papier de Grégoire Attignon, qu'il y a 5 joueurs qui ont rejoint donc la sélection du Togo. Maintenant, parmi les habitués, on a le jeune Malcolm Bakola, on a évidemment Ayiba Moubarak, le gardien titulaire de la sélection locale. Mais ce qu'on retient et ce qu'on a analysé, c'est beaucoup plus l'aspect jeunesse de cette formation. Nous, on se dit, bon, il se peut que peut-être dans les années à venir, je ne parle pas forcément de la double confrontation de novembre, dans les années à venir, même si le Togo n'a pas de résultats et que ces joueurs arrivent à avoir une certaine progression, le Togo peut forcément avoir, disons, des résultats dans 10 ans, dans 5 ans, si évidemment ces joueurs ont toujours, disons, cette capacité de jouer en équipe nationale. Parce que je me rappelle, et je fais toujours cette comparaison, je me dis, oui, le Togo a eu à jouer la Coupe du Monde en 2006, mais c'était dans un contexte, parce que quand j'analyse finalement, je me dis, mais pourquoi est-ce que depuis 2005, le Togo n'arrive plus à se qualifier pour la Coupe du Monde? D'abord, nous faisons l'analyse en disant simplement que le Togo avait joué 16 éliminatoires dans un contexte particulier. On a combiné les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde à cette époque, où le Togo était dans un groupe à 5. Depuis 2006, eh bien, ce format a été annulé. C'est-à-dire, pour être à la Coupe du Monde, il faut passer au moins 3 étapes. Vous jouez les préliminaires par rapport à votre classement. Vous passez d'abord en phase de poule. Quand vous vous qualifiez, vous jouez maintenant les matchs de barrage avant de se qualifier. Donc, ça devient un peu compliqué. Je prends par exemple l'exemple de l'Est Togo qui a joué pour la première fois, je vais dire, la phase de poule de la Ligue des Champions. Si c'était dans l'ancien format avant Hamad, ça allait être compliqué. Et c'était d'ailleurs le cas. On voyait rarement les équipes d'Afrique de l'Ouest dans les phases de poule et même en quart de finale et tout. On se dit également qu'au temps de Stéphane Kessié, ce qui est arrivé, c'est que la plupart des joueurs n'étaient pas découverts par Kessié. Emmanuel Adebayor a été détecté par Tchanile Bana. Il a joué déjà en 2002. Il était à la CAN 2002. Vous prenez les Nibombé Daré, vous prenez les Jean-Paul Abalo. Eh bien, il y a certains entraîneurs qui arrivent à bénéficier, je vais dire, des joueurs qu'on avait déjà en sélection. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est les résultats. Les Togolais ont quand même soif des résultats parce que ça fait un moment, je l'ai dit la dernière fois, la pression à domicile est énorme. Quand le Togo joue à domicile, on a l'impression que le Togo joue face à la France. C'est-à-dire que le Togo devient parfois méconnaissable et on se dit, mais est-ce que le public va repartir encore, disons, le cœur serré? Et tout ça, là, ça fait que moi, je me dis, c'est une grosse pression aussi sur le staff technique, mais aussi sur les joueurs. Donc, voilà comment nous analysons les choses. Mais le plus important pour ce stage, c'est de donner la chance à ces jeunes joueurs parce que ça ne servira à rien de les convoquer, mais de ne pas les voir jouer. Parce que demain, lorsqu'ils ne seront plus convoqués, il y aura toujours débat parce qu'on va dire, mais vous aviez convoqué des joueurs, vous ne les avez pas utilisés,
après demain, on convoque encore d'autres joueurs et ça fera toujours débat. Moudib Falana, votre niveau, niveau de, du mérite sportif. Oui, nous sommes revenus sur le sujet. Et d'abord, quand vous prenez cette liste, ce qui saute à l'œil, c'est qu'habituellement, le Togo opère avec 23 joueurs lors des journées FIFA ou des matchs amicaux. Mais on a vu quand même une liste assez élargie avec 25 joueurs. Ça prouve combien de fois le sélectionneur a ratissé large. Et à mon humble avis, cette liste ne souffre d'aucune irrégularité. Pourquoi aujourd'hui, il y a une génération naissante qui est en train de s'afficher. Le team Media Office l'a souligné tout à l'heure. On n'est plus en présence de cette génération 2013 ou 2006 où on avait les Adebayo et Serge Gakpé et tout ça. Ils ont fait leur temps. Et je pense aujourd'hui quand même qu'il y a une nouvelle jeunesse qui est en train de prendre le pouvoir. Aristide Kouévidien parlait tout à l'heure de voir cette équipe émerger dans 10 ou 5 ans. Moi, je pense même que 10 ans, c'est trop, ou 5 ans, voire 5 ans. Déjà, 3, 4 ans suffit si on fait quand même un bon travail au niveau du staff technique, si on arrive vraiment à modeler un bon groupe. Je voulais vous dire que même si on ne voit pas le Togo à la prochaine CAN, on peut espérer. Je pense que ça, c'est une réalité à ne pas occulter, parce que c'est très important. J'ai parlé tout à l'heure d'une génération qui est déjà partie. Aujourd'hui, il va falloir composer avec de nouvelles têtes. Les Adebayo, ils ne sont plus là. Aujourd'hui, il va falloir composer avec cette nouvelle jeunesse-là. Quand vous prenez l'effectif, la moyenne d'âge, c'est 20-21 ans. Donc, ça prouve que ce groupe n'est pas encore à maturité. Il faut attendre un peu, mais l'essentiel, c'est de travailler. Claude Leroy, moi, je l'ai souvent jugé sur deux aspects, la méthode et la vision. Sur la méthode, il m'a souvent laissé sur ma faim. Mais dans la vision, avec un peu de recul, je comprends un peu ce qu'il est en train de faire au Togo. Mais après tout ça, il faut gagner. Parce que quand les éperviers perdent un match, écoutez, on est tous malades. Tout à l'heure, lorsque vous avez lancé le morceau des éperviers, j'ai vu le team média officiel Aristide Kouévidien et moi-même mettre nos casques. Ouais. Ça prouve combien de fois nous sommes rattachés aux valeurs nationales et l'équipe nationale est une valeur nationale. En tout cas, c'est, on va dire, une entité qui intéresse au plus haut niveau la population togolaise. Voilà, un stage à venir et deux matchs aussi, deux matchs amicaux contre le Soudan et puis la Libye. On a fait le choix par rapport à la philosophie de jeu du prochain adversaire, c'est ça? Oui, il y a eu ce souhait de jouer avec des équipes de la région qui sont très proches de l'Égypte. Donc très tôt, on a pu avoir le Soudan qui voulait également jouer contre nous parce que pour les éliminatoires de la CAN, ils vont affronter le Ghana. Et puis après, avec les discussions, avec les difficultés que certaines sélections aussi ont pour trouver un match ou pour pouvoir aller jouer parce que à cause de cette pandémie, ça a été très compliqué. Finalement, nous avons eu la Libye, ce qui est très bien parce que c'est toujours dans la région et que c'est encore très proche du football égyptien. Sur, si vous permettez, la liste, je voulais revenir très vite sur une petite polémique autour de Josué. Aristide a donné l'exemple de Adebayo qu'on a lancé en sélection à peine 17 ans. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que c'est le Togo qui détient le record du plus jeune joueur à avoir joué un match des éliminatoires d'une Coupe du Monde dans l'histoire de la FIFA. C'est le jeune Mama Souleymane qui a joué en équipe nationale à 15 ans. Et il n'avait même pas encore 16 ans. Mmh. Et ça, c'était je crois, à l'époque de l'entraîneur Tchanele Bana aussi. Donc, je pense que dans un groupe de 23, où on sait que seulement c'est 18 qui seront sur une fiche et probablement 14 qui vont jouer, il y a de la place pour amener un jeune et de le faire progresser. Même si ce n'est pas pour le faire jouer tout de suite, de le faire progresser parce qu'on sait que du talent et que le talent n'a pas d'âge. Donc je pense que c'est ce que le coach essaye de faire, amener ces jeunes, les faire progresser, leur donner de la visibilité, et ce qui fait que ils intéressent très, très tôt les clubs parce que les clubs savent que si Claude Leroy prend un jeune, c'est que le jeune a quelque chose. Et on l'a vu avec les Thibaut, les Nyavedi, les Yenoussi. Ce qu'il nous faut, nous, journalistes, c'est vrai, ça choque quand on apprend qu'on prend un jeune de 16 ans en sélection nationale. Ah, on se dit, mais avec tous les joueurs qu'on a, c'est seulement... Mais ça ne doit pas nous amener à tirer à boulet rouge sur le jeune parce que lui, il n'a rien demandé. Et en plus, ce ne sont que des jeunes.
on peut les déstabiliser pour toute leur carrière s'ils ne sont pas forts mentalement. J'ai vu ici une scène lors de le tournoi UFOA B à Lomé, de moins de 20 ans, où Thibaut a été désigné par le comité technique homme du match. Ce sont des journalistes togolais qui protestaient. Ça peut toucher le joueur, ça peut le déstabiliser dans la carrière. Si nous voulons nous en prendre, nous pouvons critiquer l'entraîneur pour le choix, mais de grâce, le joueur, lui, il est très jeune, c'est nos petits frères, eux, ils n'ont rien demandé. On peut les épargner, eux, au moins. En tout cas, on va écouter une réaction de Claude Leroy, celle après le match contre le Kenya, et après, on reviendra sur les analyses. Je suis pas déçu, je suis triste pour le football africain, ce qui s'est passé ce soir. On a vu un arbitrage comme moi je n'en ai jamais vu. Je savais que si on faisait la moindre petite erreur ou le moindre souffle de vent dans les 16m50, on aurait eu pénalty. Manifestement, ils voulaient que Kenya sorte avec une victoire. C'est triste pour le football parce que je tirais un grand coup de chapeau à mes joueurs qui sont battus jusqu'au bout et qui ont tout donné dans des conditions comme on ne peut pas imaginer sur un terrain de football. Ce qu'on a vu aujourd'hui, il est temps que ça s'arrête sur ce continent. Il est temps. Si on avait pu jouer avec une certaine sérénité, je pense qu'on aurait gagné le match. Mais là, l'aventure n'est pas finie. Je peux vous dire que bon, il y a 4-2-2, un point. Après deux matchs, il nous reste 4 matchs. Quand on voit l'état d'esprit dont ils font preuve, quand on voit la volonté qu'ils dégagent, l'envie de bien faire et tout, c'est un groupe formidable. On va encore le renforcer. On va essayer de récupérer 3 ou 4 joueurs qui nous manquent. Mais c'est quand même ces deux matchs. Hélas, il n'y a qu'un point après ces deux matchs. Mais on se dit qu'on aurait dû en avoir au moins 4, ce qui était notre objectif au départ. On n'en a qu'un. Il reste 12 points à prendre. Je suis sûr qu'on sera là à l'arrivée. Voilà, je suis sûr qu'on sera là à l'arrivée. Il y a quelque chose que je voudrais mettre, on va dire, devant dans cette réaction de Claude. C'est un entraîneur qui ne lâche jamais, quelles que soient les conditions, quels que soient les résultats, ses joueurs. Et que c'est quelqu'un qui est confiant jusqu'au bout. Mais vous êtes proche de lui, mais où sort-il, on va dire, cette confiance et tout ce qui tourne autour? D'abord, comme joueur, lui aussi, ce que j'ai eu la chance de le voir jouer en professionnel en France, sauf que c'est un battant de nature. C'est quelqu'un qui a vraiment de l'énergie, qui croit fondamentalement à ce qu'il fait. Et il le dit d'ailleurs, il préfère mourir avec ses idées que de mourir avec les idées des autres. Quand on discute dans le staff, par exemple, des choix ou de la façon de jouer, et que, par exemple, je vous donne un exemple, on joue contre l'Égypte, nous estimons que pour nous, l'Égypte est plus forte que le Togo aujourd'hui en matière de football. Et pour jouer, par exemple, en Égypte, il nous faut fermer le jeu et d'essayer de jouer en contre. Pour Claude Leroy, le football, c'est d'abord un jeu. Il faut respecter le public. Il faut jouer. Pour lui, il ne faut pas fermer le jeu. Il ne faut pas respecter l'Égypte. Il faut jouer un jeu offensif. Il faut donner, voilà. Pour lui, il ne ferme jamais le jeu. Et il préfère, c'est ce qu'il dit par exemple. Est-ce qu'il a les joueurs pour ? C'est ça aussi le problème. Mais je vous décris un peu la personne dans son côté philosophique. Il estime... Il préfère mourir avec lui-même ses idées que de mourir avec les idées de... Non, c'est quelqu'un qui croit fondamentalement quand il s'engage dans quelque chose, qui le fait à fond. C'est un peu ça, oui. Lorsqu'on l'écoute aussi, il a dit on va récupérer 2 ou 3 joueurs. C'est ce qui se poursuit, les Bécilés, tous les nouveaux venus là qu'on a vus. En fait, il y a une dizaine de joueurs sur lesquels que nous pistons depuis un moment... Et ce qu'il comptait récupérer le plus ardemment, c'est Chalabi, Jean-Eudes Aholou et... Naré et, ou bien c'est fini pour Naré? Naré, on continue. Naré, on ne sait plus ce qui arrive. Et Naré nous avait promis qu'il sera là en septembre. Bon, aujourd'hui, il n'est ça pas là. Là. C'est passé. Ah, ça fait normalement, on devait jouer en septembre s'il n'y avait pas la pandémie. Il nous avait dit qu'il ne pourra pas venir en mars. Mais qui sera là en septembre. Bon, aujourd'hui, il nous dit encore qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. Donc, bon, il y a d'autres. Hein, Chalabi, qu'est-ce qui se passe? Chalabi est un grand espoir du football français qui, aujourd'hui, joue quand même dans un grand club, Saint-Étienne. Saint-Étienne, oui. Il a suffisamment du temps de jeu.
C'est quelqu'un qui est très attaché au Togo, c'est vrai, parce qu'il y est venu quand il avait 6 ans. Mmh. Et c'est au Togo que Sarabi a commencé à jouer au foot. Son père est togolais. Son père est togolais. Maître habité ça. Voilà. Mais qu'il est né là-bas. Et c'est ici qu'il a commencé par jouer au football. Donc ça, il est très collé au Togo. Mais je pense que quand on est dans son statut, on rêve toujours d'aller plus loin avec l'équipe de France. Donc il est un peu partagé. C'est vrai que le papa aussi nous aide. Le président de la fédération est en contact permanent avec Maître Abi pour qu'on puisse parler avec Charles. Mais on a aussi le malheur que Charles se blesse souvent. Et c'est au moment où il peut décider, malheureusement, il se blesse. Et nous espérons que ça va finir par se faire. Donc c'était davantage les joueurs que Claude visait. Bon, aujourd'hui, on a Etienne Amenido, c'est quand même un grand renfort aussi, formé à Dortmund, qui a joué en équipe de jeunes pour l'Allemagne jusqu'à l'équipe U20 de l'Allemagne. Et qui est un titulaire à Osnabrück en deuxième division allemande. Je pense que c'est un grand renfort. Et puis Bessilé, c'est quand même un grand espoir aussi. Un joueur qui est suivi par Leipzig, par Dortmund et par Bayern. Forcément qu'il a lui aussi. Un défenseur. Un défenseur gaucher, parce que ça nous manque beaucoup dans l'effectif, des gauchers purs. C'est également de bons renforts. Maintenant, on verra en Tunisie comment ça va se passer. C'est là aussi notre malheur. À défaut, et Kataka en a parlé largement tout à l'heure, c'est-à-dire à défaut de compétition de jeunes, à défaut de sélection de jeunes, de faire participer nos sélections de jeunes à des compétitions, on a du mal à remplacer les générations en sélection A. Et on est obligé aujourd'hui de voir beaucoup plus en Europe où nous avons des binationaux qui ont, eux, l'avantage d'être bien formés dans leur club et d'évoluer dans de bonnes structures. Malheureusement, souvent, quand ils viennent, en dehors de Serge Akpo et de Romao, tous les autres mettent beaucoup de temps pour s'adapter au football africain. Et c'est malheureusement, nous espérons que ce ne sera pas le cas des nouveaux qui vont venir, parce que là, on est dans l'urgence, il faut gagner, il faut se qualifier à tout prix, et nous espérons que ceux qui vont venir vont très vite s'adapter, s'intégrer dans le groupe et être très performants. Voilà. Claude Leroy, encore lui, sur un autre aspect, il parle un tout petit peu des lacunes de cette sélection. Il faut absolument qu'on soit plus efficace dans les 16m50 défensifs et dans les 16m50 offensifs. C'est là où il nous manque encore un petit quelque chose dans le jeu. On est souvent très bon. Mais sur les 5 derniers matchs, on a marqué 4 buts, on en a encaissé 4. Que ces 4 buts, c'est pas très très grave sur 5 matchs. C'est pour ça que ça serait bien qu'on franchisse un petit palier. Voilà, il va falloir qu'on franchisse un petit palier, Moudib Falana. J'ai une inquiétude. Laquelle ? Aujourd'hui, la porte du nid est restée constamment ouverte, surtout avec l'ère des binationaux. Vous voulez qu'on la ferme ? Le problème aujourd'hui, c'est que depuis 4 ans, même hier, j'ai eu l'opportunité ou l'occasion de partager un plateau d'émission avec le team Media Officia qui parlait quand même de joueurs réguliers au niveau de cette sélection. Mais moi, mon inquiétude, c'est qu'on n'a pas encore ce 11 idéal-là, pourquoi pas avec des doublures au niveau de chaque poste, qui va permettre à cette sélection de performer véritablement. C'est mon inquiétude. Je ne sais pas si au niveau du staff technique, ils en discutent. Le team Media Office est là. Est-ce qu'il peut nous parler un peu de cet aspect-là ? De cet aspect-là, oui. Augustin, est-ce que ça se fait ? En réalité, aucune sélection, la porte n'est jamais fermée dans une sélection définitivement. Si vous prenez l'effectif de l'équipe de France, par exemple, qui a gagné la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde, vous reprenez l'effectif de l'équipe de France, et il a changé de 30 à 40%. Il y a de nouveau. Et à chaque convocation, Didier Deschamps fait appel à deux ou trois nouveaux. On l'a vu sur les derniers matchs de l'équipe de France. Donc, la porte n'est jamais définitivement fermée, parce qu'à tout moment, vous pouvez avoir des blessés, vous pouvez avoir des joueurs en méforme, vous découvrez. Et en plus, dans le cadre d'un football comme le nôtre, qui n'est pas très structuré, où vous n'avez pas les catégories, où vous savez aujourd'hui, par exemple, demain, si Loufari n'est pas là, le latéral gauche qui est en équipe U21 ou U23 qui peut le remplacer, vous ne le savez pas d'office, parce que cette sélection n'existe pas longtemps, ne participe pas aux compétitions, et vous n'avez pas une fiche technique
de l'ensemble des sélections de jeunes pour savoir qui peut remplacer qui. Vous êtes obligé de faire les essais. Mais moi, je continue pas à croire que, au moins depuis les trois derniers matchs qu'on a joué, les deux contre Comores et contre Kenya, vous avez eu pratiquement le même 11. Maintenant, si certains estiment qu'il y a des joueurs qui, pour eux, ne sont pas permanents, je peux comprendre. Mais on a un 11 familier sur les trois derniers matchs. Est-ce que les postes sont doublés? Les postes, justement, ne sont pas tous doublés. Déjà même, il y a des postes pour lesquels on ne continue pas à chercher. Je peux vous dire les postes latéraux, pour milieu défensif et un avançant. Vous voyez, quand on a match, c'est pas, pratiquement ça. Si vous voyez d'ailleurs toutes les défaites qu'on a eues, dès qu'on a Bebou blessé, Floyd a été blessé, on a des difficultés. Parce qu'on n'a pas de fond de banc. Les postes ne sont pas doublés. L'idéal, c'est d'avoir déjà, comme il le dit, un 11 type sur lesquels on compte, mais également d'avoir des concurrents également sur le banc qui peuvent rentrer, qui peuvent faire autant que ceux-là. Mais les faiblesses structurelles du football togolais font que pour le moment, on a des difficultés à assurer tout cela. Mais le travail continue, on continue pas à rechercher et on ne privilégie pas que l'extérieur. Nous voyons aussi dans le cru local ceux qui sont capables de nous apporter cette performance, tout en sachant que généralement dans notre football ici, au niveau de l'équipe A, le problème que les locaux ont, c'est surtout les problèmes tactiques, de compréhension de la tactique, parce qu'ils ne travaillent pas suffisamment sur la tactique dans leur club. Techniquement, ils sont bons. Physiquement, ils sont endurants, parfois même mieux que les pros. Mais tactiquement, il y a de vrais soucis. Et cela ne peut être comblé que par la formation à la base et la répétition des compétitions au niveau des jeunes pour permettre non seulement aux jeunes de jouer ensemble pendant longtemps et d'être complémentaires, mais aussi de faire un travail tactique sur les joueurs au niveau des sélections de jeunes. Oui. Aristide Covidien, vous avez écouté le sélectionneur. Il a parlé de quelques soucis. Par exemple, il a dit sur les 5 derniers matchs, le Togo a pris 4 buts. Normalement, on devait jouer de sorte de prendre moins de buts. Et c'est un peu son problème ces derniers temps. S'il le dit, c'est qu'il y a des choses à corriger à ce niveau. Oui, vous savez, toutes les équipes nationales drainent toujours des lacunes. Hein. Quelles que soient vos forces, il faut simplement dire qu'il y a des lacunes. Moi, depuis un moment, pour avoir observé cette équipe, je pense que l'une des principales lacunes était évidemment au niveau de cette défense-là, avec notamment le gardien Bassa Diéry. Mais vous avez vu qu'on a eu la chance d'avoir un jeune. Bon, même si aujourd'hui n'est pas extraordinaire, il a quand même de l'avenir. Il rassure ses défenseurs. Je l'ai vu prendre un gros risque au stade de Kégué lors des préliminaires de la Coupe du Monde en dribblant un attaquant dans la surface de réparation. Mais il faut être un gardien qui a un mental assez fort pour pouvoir le faire. J'ai expérimenté ce poste de gardien de but plusieurs fois dans des équipes. Mais sais ce que c'est. Le principal gardien de la GST. Je sais ce que c'est, mais j'ai admiré le courage de ce jeune et je pense que ça fait partie également des qualités de gardien qu'on cherche. C'est-à-dire qu'un gardien doit avoir un jeu de pied, ce que nous n'avons comme pas. Comme Manuel Neuer, par exemple. Voilà, il faut avoir un jeu de pied parce que ça rassure aussi les défenseurs. Je vois parfois, Dean Dakonam, quand l'autre Bassa Diéry était dans le but, il n'avait pas souvent cette assurance. Quand le ballon vient, il est obligé par exemple, de discuter avec son gardien. Non, laisse. Vous voyez même le but ou la plupart des buts qu'on a encaissés au stade municipal lors de la rencontre Togo-Algérie. À l'absence donc de Dean Dakonam, par exemple, où on avait Ouro Akoriko Sadar, on a vu également que le type était totalement méconnaissable. Et ça rejoint un peu cette question de doublure dont vous aviez parlé tout à l'heure. Je pense que lorsque l'un des meilleurs joueurs de cette sélection, Ilas Bebou, qui n'est pas dans l'effectif, mais aussi qui n'a pas, cette rage de vaincre de Laba Fodos, il lui manquait seulement ça. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, pour moi, il fait partie des meilleurs joueurs de cette sélection. Mais quand il est là,
On sent évidemment qu'il apporte énormément de choses. Vous prenez même les préliminaires de cette Coupe du Monde dont je parlais tout à l'heure. C'est un joueur qui s'y est donné à fond. Il a été même félicité par l'entraîneur comorien. Je pense que ça fait partie des valeurs qu'il faut cultiver au niveau des équipes nationales. Maintenant, sur l'aspect préparatif, je pense qu'il faut étudier l'adversaire. C'est en fonction de l'adversaire qu'il faut choisir ses joueurs. Et donc, par rapport aux 11 types, moi j'ai l'impression aujourd'hui que l'Égypte est quand même une grande nation. Mais comme je le dis, dans le football moderne, ce n'est pas forcément le plus fort qui gagne. Mais c'est celui qui surprend son adversaire par sa façon de jouer. Il faut savoir simplement que cette rencontre doit être jouée comme une finale, avoir, disons, des défenseurs intraitables, des milieux de terrain assez créatifs qui puissent distribuer de bons ballons aux attaquants qui, à leur tour, doivent être lucides. Sinon, vous prenez cette équipe de l'Égypte, comme je l'avais dit il y a quelques semaines, apparemment, quand vous prenez, par exemple, cette sélection togolaise, on se dit évidemment que c'est des joueurs quand même qui ne demandent qu'une seule chose, que le public sportif arrive simplement à les accompagner pour qu'évidemment ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. L'Égypte, je vous ai dit, fait partie donc de ces pays maghrébins. Lorsque l'Égypte joue avec ses joueurs locaux, c'est toujours difficile de battre l'Égypte. Il y a quelques années, il ne faut pas perdre de vue que l'Égypte a traversé le désert. Triple champion d'Afrique, 2006, 2008, 2010. Mais l'Égypte a raté la CAN 2012, 2013, 2015 en Guinée équatoriale avant de rejoindre, par exemple, la CAN en 2017 et a joué la finale face au Cameroun. Ça veut dire que tout ce temps-là, l'Égypte s'est préparée. L'Égypte sait qu'évidemment, après ces trois Coupes d'Afrique des Nations gagnées, eh bien, elle se retrouve en difficulté et cette équipe égyptienne est arrivée à ce moment. Je vais vous demander de la patience au public sportif togolais parce que là, les fans des éperviers, eux, ils veulent des résultats tout de suite. Non, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que, regardez, les gens payent, par exemple, les billets pour aller au stade simplement parce qu'ils veulent la victoire tout de suite. Mais le plus important, je crois que cette victoire peut venir. Maintenant, il revient, par exemple, à l'entraîneur ou au sélectionneur, je vais dire, de pouvoir choisir les joueurs et également aux joueurs de savoir pourquoi est-ce qu'ils viennent en équipe nationale. Quand on vient en équipe nationale, il faut d'abord avoir cette volonté, cette disponibilité et évidemment avoir cette détermination. Venir mouiller le maillot pour sa sélection, ça donne, disons, cette chance-là. Parce que ce qu'on oublie souvent, les entraîneurs, comme moi je le dis, sont jugés sur la base des résultats. Quand une équipe ne gagne pas, ou quand une équipe gagne, oui, on pense tout de suite à l'entraîneur, on dit oui, on l'affecte à l'entraîneur. Mais dans le naufrage collectif, le sauvetage individuel est illusoire. Quelle que soit la taille de l'entraîneur, on peut amener Didier Deschamps. Si les joueurs ne sont pas volontiers, si ces joueurs, quel que soit leur talent, ils ne se donnent pas à fond, on peut amener Hervé Renard, vous n'aurez jamais de résultat. D'ailleurs, vous avez vu les difficultés de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a raté la dernière fois, je vais dire, la Coupe du Monde, les éliminatoires. Ils ont pratiquement le même problème avec les binationaux qui viennent. Et parfois, on sent que cette race de vaincre n'est plus d'actualité. Il faut ce minimum de fighting spirit pour que, évidemment, quelle que soit la taille de l'entraîneur, on peut mettre par exemple l'entraîneur des 8-17 à la tête de cette sélection. Quel que soit l'entraîneur, il faudra que les joueurs se transcendent et se disent que nous devons forcément gagner. Très bien. En tout cas, c'est un tout. Une équipe nationale, oui. L'espoir, une partenaire de cette fois-ci, c'est bien le Soudan et puis la Libye. Je pense que c'est intéressant. Quand vous prenez la Libye a un style de jeu un peu proche de l'Égypte. Vous avez le Soudan qui a un football assez représentatif sur le continent. Ça ne fait que faire du bien à cette équipe nationale. Mais le plus important, c'est de voir le staff technique tirer vraiment les leçons de ce stage-là, corriger des choses, voir véritablement l'état de forme des joueurs et savoir qui il faut utiliser pour cette joute qui nous attend. Pour la double confrontation contre l'Égypte, l'objectif aujourd'hui, il l'a dit dans une de ses réactions, Claude-Marie François Leroy, la reconstruction se poursuit. Est-ce qu'il prépare déjà l'opinion pour la CAN à venir? Je pense que quand on recrute un sélectionneur, on lui signe pour un cahier de charges. Un cahier de charges, c'est aussi un projet. Et il est normal dans ce cas, dans l'exécution de chaque projet, que le sélectionneur fasse des évaluations avec les responsables. Et s'il y a des réorientations à faire, on les fait. Et donc, je pense que c'est ce qui se fait.
parce qu'on était parti à la CAN 2017. Quand on est revenu de la CAN 2017, sur la base du constat qu'il a fait, il a fait son rapport et il a soumis à l'autorité les réorientations qui méritent d'être faites si on veut rompre avec le cycle de performance que le Togo a, à savoir on découvre une génération, elle balbutie pendant un temps, elle fait des résultats et après elle reprend. Il faut mettre en place une équipe jeune qui peut être compétitive sur la durée et travailler à la base pour assurer la régénérescence de l'équipe quand elle va arriver à terme. Mais cela n'occulte en rien l'objectif qui est le nôtre, qui est de nous qualifier pour la CAN 2019. Pour lui-même, parce que c'est un symbole pour lui, il a commencé sa carrière au Cameroun. La CAN aura lieu au Cameroun. Il a bien envie de retourner au Cameroun avec une équipe pour essayer de faire quelque chose. Et aussi, en remerciement pour les autorités togolaises pour la confiance qui lui a été faite et tout l'appui dont il bénéficie de la part du Togo. Donc tout cela mis l'un dans l'autre. Et bien sûr, l'envie aussi de satisfaire et le souhait de satisfaire aussi l'envie de victoire du public. Ça aussi, ça compte dans les préoccupations du sélectionneur du staff. Donc l'un mis dans l'autre nous fait que bon, on fait tout pour gagner, mais après, je crois Aristide aussi l'a dit, c'est avant tout les joueurs qui jouent. Quand vous vous demandez à la génération de 2010, ouais, on était à la CAN en Afrique du Sud, les joueurs disent, mais il y a Didier Six, mais il y a nous-mêmes. Didier Six dit ce qu'il veut, mais nous-mêmes, quand on rentre dans le terrain, on se parle, et s'il y a des choses à faire, on le fait. Je pense que le groupe aujourd'hui, parce que aussi il est très jeune, on manque véritablement de leaders pour vraiment faire bouger les uns et les autres quand il y a une certaine dilettance dans les performances. Mais tout ça va venir avec le temps. C'est pour ça qu'à Tunis, en dehors des deux matchs, le sélectionneur tient également qu'on fasse un match d'entraînement, le 9. Le 8, on va jouer contre la Libye. Et le 9, ceux qui n'ont pas joué joueront un match d'entraînement contre une équipe de première division de Tunisie, de façon à ce que on puisse donner du temps de jeu à tout le monde. Et est-ce qu'aujourd'hui, naturellement, Diène Dakonam ne joue pas ce rôle de leader? C'est lui actuellement la locomotive, oui. Ou bien il est trop esselé? Il est trop esselé. Vous savez, chacun aussi a sa nature. Diène n'a pas forcément la carrière d'un Daré ou je veux parler d'être défenseur. C'est-à-dire que avant vous avez un leader sur chaque ligne. En défense, vous avez Abalo, vous avez Tchangaï, vous avez Daré. Au milieu, vous avez Sherif Touré. Romao. En attaque, vous avez Chehi, vous avez Kader, vous avez Olou Fadé. Il était plus c'était pas un leader, mais c'était un cadre aussi de l'équipe. Donc vous avez des gens qui sont capables de gueuler sur chaque ligne. Aujourd'hui, vous avez seulement Jane en défense, qui n'a pas forcément la volubilité d'un Daré ou d'un Abalo. Mais ça ne suffit pas pour faire bouger toutes les lignes. Mais il essaie de faire ce qu'il faut pour que l'équipe soit performante. Et en dehors du terrain, il y a aussi les réunions que les joueurs eux-mêmes font entre eux pour se parler, entre eux pour arranger ce qui ne va pas. Le sélectionneur sait aujourd'hui que c'est une situation compliquée pour sa sélection. Il a d'ailleurs fait le classement dans une de ses réactions aussi. Il a dit 4-2-2-1, c'est sa sélection qui est en dernière position avec un petit point. Et il dit il reste 12 points à prendre et on sera là à l'arrivée. Ouais. Quand il a l'élément que vous avez passé, quand il a dit qu'il faut qu'on franchisse un pas, il parlait davantage du réalisme devant les buts. Oui. Il dit on a pris 4 buts en 5 matchs, c'est pas tellement grave. Par contre, on a marqué que 4 en 5 matchs et c'est là où il faut franchir un palier. Vous avez vu contre les Comores ici, on a vendangé une dizaine d'occasions. Les Comores n'en ont eu que 2. Ils en ont réalisé une et on a été perdant. Et au Kenya, là, c'est vraiment l'arbitre qui a faussé carrément le jeu. Et 3 jours après le match, je ne sais pas où il a trouvé mon numéro de téléphone, il m'a appelé personnellement pour présenter ses excuses. L'arbitre ? L'arbitre du match, le Tchadien, pour présenter ses excuses à l'équipe et au peuple togolais.
Je ne sais pas où il a trouvé. Donc, il a vraiment faussé ce match. Il a déjà fait l'irréparable. Vraiment l'irréparable. Parce que trois points comme à ça. À défaut d'avoir les quatre points qu'on voulait, c'est-à-dire battre les Comores ici et faire au moins match nul au Kenya, on aurait pu au moins avoir trois points à l'issue du match contre les Kenyans. Mais bon, ça reste le foot. C'est vrai, les Comores nous ont battus ici, mais nous aussi, nous irons aux Comores. Mais avant ça, vous l'avez dit, il faut contre l'Égypte prendre au moins trois points sur les deux matchs, prendre au moins trois points, rester dans la course et maintenant aller jouer l'avant-qualificatif d'abord aux Comores et puis à domicile contre les Kenyans. Claude Deleroy, toujours lui, on prend ses anciennes déclarations après les matchs. Celle-ci, c'est après le match contre les Comores. C'est un résultat difficile à accepter pour le public sportif togolais, on le savait, parce que les Comores étaient à la portée des éperviers. Mais lui, écoutez-le. Qu'est-ce que sur ce match-là que je reproche aux joueurs ? Rien du tout, ils ont, selon moi, tout donné. On a fait un match nettement meilleur que celui où on a gagné 2-0. Seulement, le football, il n'y a que les résultats qui sont importants. À l'arrivée, on est battu, alors qu'on s'est créé au moins une dizaine d'occasions de buts nets. Et sur une des rares actions où ils sont dangereux, ils marquent, sur un moment d'inattention de notre part au départ. Mais ça serait facile de dire, oui, un tel a raté, un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Moi, pas une seconde, je dirais ça, parce que je sais très bien que vous, vous êtes journaliste, mais vous êtes aussi des supporters de cette équipe, donc vous êtes triste, et que sûrement pas autant que moi de cette défaite, mais je peux absolument rien dire à cette équipe. Dans les trois dernières minutes, on s'est créé trois occasions. Jusqu'à la fin, tout a été fait pour qu'on revienne dans le match. Et je vous le dis, c'est peut-être en termes de qualité collective, peut-être le meilleur match qu'on ait fait depuis que je suis au Togo. Mais hélas, on ne retiendra qu'une chose, c'est la défaite 1-0. Je vous l'ai dit, je comprends votre tristesse, votre déception. Je pense qu'on est en train de rebâtir quelque chose. Voilà. Reconstruire, rebâtir. Ça vient toujours petit à petit. Ça fait quand même 4 ans qu'il est aux commandes de cette sélection. Vous constatez-vous une certaine progression, une certaine amélioration? Oh, je vais prendre le média officiel au mot lorsqu'il dit que le travail continue. Mais moi, je dis quand même qu'il faut quand même aussi des résultats. Il faut de temps en temps gagner aussi des matchs. Mais après tout ça, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'aujourd'hui, le contexte a changé. Avec le Covid-19, les matchs se joueront certainement à huis clos par rapport à ces éliminatoires qui vont reprendre. Ouais. Ça veut dire quand même qu'au niveau des joueurs, il y aura une pression qui vont laisser quelque part. Et au Togo, à Kégué, ça se fera de la même façon. On va jouer à huis clos, il n'y aura pas un public. Les joueurs auront peut-être le temps de mieux s'exprimer parce que ces matchs vont prendre les allures de matchs d'entraînement. Donc, tout peut arriver. Tout peut arriver. Vous, Aristide, comment analysez-vous le travail depuis 4 ans? L'équipe progresse, elle marque les pas. Qu'est-ce que vous dites? Non, par rapport à la progression, moi, j'ai fait juste une analyse. J'ai compris que c'est vrai, on a échoué par rapport aux éliminatoires de la CAN 2019 qui étaient joués, je crois, à 24. Et on s'attendait évidemment à voir le Togo. Mais malheureusement, il y a beaucoup de choses, en tout cas, je vais dire, il y a des concours de circonstances, non, qui ont fait que le Togo n'a pas eu cette chance. Et je vous avais dit, qu'en voyant cette équipe algérienne jouer ici à Kégué, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que l'Algérie allait gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on était là même à cœur joie à supporter cette équipe algérienne dans les locaux de Sport FM ici, même cette équipe béninoise, où je vous disais que cette équipe ira à la CAN en tant que challenger. Ça dépend de la vision. Et quand moi j'analyse tout ça, je prends acte aujourd'hui du fait que le Togo a peut-être tiré des leçons du passé. Parce que moi je fais juste une analyse. Vous prenez les préliminaires de la Coupe du Monde. Ce n'était pas évident. Parce que depuis 2010, on a joué la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. 2014. Il y a 2013, hein? Non, enfin, je parle de la Coupe du Monde. Oui. La Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Oui. La Coupe du Monde également en 2014. Le Togo n'a pas joué. Par exemple, enfin,
je parle des éliminatoires. Le Togo n'a pas joué les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Le Togo n'a pas joué également les éliminatoires de la Coupe du Monde 2010. Pourtant, le Togo était mondialiste. Le Togo a joué contre la France, le Togo a joué contre la Suisse et la Corée du Sud en 2006. La logique voudrait que après cette participation, le Togo puisse enchaîner peut-être en 2010. Mais quand je fais cette analyse, je comprends que durant les 8 ans, le Togo n'a pas joué les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais en tirant les leçons de l'élimination du Togo de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on a vu quand même que les joueurs ont compris finalement qu'ils n'avaient plus droit à l'erreur. Le Togo a joué donc face aux Comores et on s'est qualifié pour les éliminatoires. Parce que ce n'était pas évident. C'est-à-dire, cette même équipe comorienne qui nous a battus lors de la première journée des éliminatoires de la CAN pouvait également nous battre. Mais on a vu, évidemment, cette volonté de Hilas Boubou et de ses coéquipiers qui, évidemment, a aidé cette formation togolaise à être dans la course. Sinon, on serait là aujourd'hui à se lamenter, à pleurer et à envoyer, évidemment, les Sadio Mané encore jouer les éliminatoires. C'est un aspect positif que moi, je retiens. Je me dis, le fait d'avoir été éliminé des éliminatoires a fait que les joueurs, à quelque part, ont pris conscience. Maintenant, on va être peut-être dans les éliminatoires, jouer face à l'Égypte. On a raté la première journée, la deuxième journée, on a essayé quand même d'enregistrer un match nul face au Kenya. Mais pour gagner cette rencontre qui est fondamentalement, très importante, il faut étudier les joueurs adverses. Il faut suivre les joueurs. Et c'est en fonction de ça qu'il faut choisir, évidemment, les joueurs qu'il faut au niveau de notre sélection. Moi, j'ai apprécié beaucoup Didier Deschamps lors de la dernière Coupe du Monde qui a dit, écoutez, Benzema, c'est un bon joueur, tel est un bon joueur, mais je ne veux pas dans mon effectif des stars. Je veux des joueurs qui peuvent se compléter. Et c'est cela que les éperviers doivent comprendre aujourd'hui. Face à l'Égypte, on ne veut pas forcément des joueurs, disons, des stars, mais des joueurs qui peuvent se compléter. Quand Dane Dakona perd le ballon, il faudrait quand même qu'il y ait un autre joueur qui puisse l'aider. Il faut également qu'au milieu de terrain, quand par exemple Atou Franco va prendre le ballon dans le milieu défensif, il faudrait quand même que quelqu'un puisse également l'aider. C'est cette solidarité-là qui fait gagner. Parce que quand vous allez gagner à la fin, on va applaudir tout le monde. Après tout, c'est les joueurs qui vont gagner les primes de match. Ce n'est pas Franck Nounyama, ce n'est pas Moudi Falana, ce n'est pas moi non plus. Et donc, il leur revient par exemple de mouiller le maillot pour quand même donner cette fierté-là au peuple togolais. Vous prenez les joueurs égyptiens aujourd'hui, j'ai parlé la dernière fois des trois gardiens qui évoluent en Égypte, mais pourtant qui sont de grands gardiens. Et Sam El Hadary, on l'avait connu, il a laissé aujourd'hui la place à Mohamed El Shenawy, qui est un bon gardien, mais malheureusement, ils ne sont pas en compétition. Et donc, le Togo, à partir de ce stage-là, peut profiter. C'est-à-dire, les joueurs doivent être en condition, il faudrait quand même qu'ils peuvent oublier l'entraîneur et dire, mais écoutez, qu'est-ce que nous pouvons offrir au peuple togolais en revenant du Caire? Est-ce que nous sommes capables d'avoir cette victoire? Ils sont capables de le faire. Très bien. Et donc, je crois que dans ces conditions, on sera là pour analyser. Sinon, regardez les Comores aussi. Ils vont jouer le 8 face à la Tunisie et le 11 face à la Libye. Ça veut dire qu'au niveau des Comores, il y a également une certaine vision de jouer avec des pays maghrébins pour que visiblement, lorsqu'ils vont encore rencontrer l'Égypte, eh bien, pour qu'ils puissent mettre en difficulté cette équipe égyptienne. En tout cas, Augustin Améga, est-ce que cette pandémie aujourd'hui vient équilibrer les choses? Puisqu'on sait que depuis, aucune sélection n'a eu le temps de travailler comme il se doit. Le Togo aussi, tout comme l'Égypte. Est-ce que cette pandémie, on peut le dire, est venue rééquilibrer les situations? Oui, on peut le dire. On peut le dire quelque part. Cette pandémie vient rééquilibrer un peu les disparités qu'on peut avoir au niveau des sélections parce que toutes les compétitions ont été arrêtées à un moment donné. Et comme on le sait, la plupart des joueurs qui évoluent dans la sélection évoluent en Europe. Et aujourd'hui, certains championnats ont commencé, d'autres n'ont pas encore commencé. Donc, il y aura là aussi une disparité dans la forme individuelle des joueurs. Et ce coup-là, toutes les sélections aussi vont la subir. Mais là où ça peut nous profiter, comme Moudjib le disait tantôt, c'est que ce n'est pas pareil de jouer au Caire avec 70 000 spectateurs derrière les pharaons que de jouer dans les tribunes vides au Caire contre l'Égypte. Ça peut nous profiter, par exemple. Alors que les Égyptiens qui ont l'habitude de subir la pression de 50-60 000 publics chez eux
n'aurait pas eu la même pression chez nous, même si on remplissait le stade de Kégué. Mmh. Là aussi, on sera mieux placé. Je pense que ce sont des éléments qui peuvent jouer dans cette double confrontation contre l'Égypte. Moudib Falana, est-ce qu'aujourd'hui, si on sait que le Kenya a pu tenir en échec l'Égypte là-bas, ils ont fait un score nul, un but partout, je pense. Ouais. Mais le Togo également peut faire la même chose au vu de la situation. Oui, surtout que la désillusion de la CAN 2019 organisée par l'Égypte à domicile a fait des vagues. On a vu nos adversaires tenir tête à cette équipe égyptienne. Et surtout qu'actuellement, cette équipe psychologiquement n'est pas tellement au point. On va parler aujourd'hui de concours de circonstances. Il y a une redistribution des cartes comme l'a souligné tout à l'heure le TMO. Et je pense quand même que le Togo peut profiter et tirer son épingle du jeu. Et il faut être sérieux pour le faire. Les joueurs togolais, il n'y a que Gane qui soit, on va dire, en verve cette fois-ci. C'est vrai que ça fait longtemps avec cette situation de pandémie. Les autres, on ne les a pas beaucoup vus. Derrière, le jeune gardien Barcola. Tout cela, il faut qu'il y ait, on va dire, une solidarité. Il faut que les joueurs soient solides. Parce que là, on peut le dire, c'est l'une des dernières chances, hein, si on veut aller à la CAN qui vient. Oui, c'est pourquoi il faut surtout saluer le stage qui est en train de s'organiser. Parce qu'on parle de stage, là, on ne parle pas d'un simple match amical. Ouais. Les joueurs et le staff auront quelques jours pour s'acquérir, c'est très important. Et quand vous scrutez la liste un peu, vous allez voir que, bon, moi j'ai dit tout à l'heure que cette liste ne souffre pas d'irrégularité. On a 4 joueurs locaux. Bon, je ne sais pas si c'est, on a mis 4 joueurs locaux parce qu'on a un championnat ici amateur, on peut le dire, parce qu'on n'a pas les mêmes infrastructures sportives pour les joueurs. Peut-être un peu à l'extérieur avec le déconfinement. Les joueurs là-bas sont beaucoup plus organisés. Ils s'entraînent peut-être un peu plus régulièrement. Ça va forcément militer un peu dans le choix du coach. Et on espère que sur le plan tactique, les joueurs vont répondre surtout. Mmh. Parce qu'avec l'Égypte, il faut beaucoup jouer tactique. Très bien. Auguste Amega, quel est le programme de ce stage? Concrètement, qu'est-ce que les hommes de Claude vont avoir à faire là-bas? Qu'est-ce qu'il a préparé? Quel est le programme? Ça commence quand? Ça fait quasiment un an qu'on ne s'est plus revu. Oui. Donc ça va commencer par une grande réunion, une réunion de déballage. Où on va dire, on va faire le bilan de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Nous allons nous jeter les uns et les autres ce bilan à la figure. Et des deux côtés, côté staff comme côté joueur, on dira ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faut faire pour que ça marche. Mmh. On commence par cette réunion. Ensuite, vont s'enchaîner les entraînements, les séances vidéo comme d'ordinaire. Et l'enchaînement des matchs, le 8 contre la Libye, si tout va bien, le 9 contre une équipe de première division en tunisienne, et puis le 12 contre le Soudan. Ça va être essentiellement ça le menu. Et comme disait Moudib tout à l'heure aussi, je pense que après la CAN au Gabon, on a joué un match amical contre l'Égypte à Alexandrie. C'était le début de la reconstruction. On était parti avec une équipe dans laquelle vous avez des joueurs locaux à l'époque, les Achou Franco, Elise Onou, Yenoussi, Gazozo, Hakim, qui étaient tous des titulaires, qui ont joué titulaires. Sauf Yenoussi, sauf Eli, tous les autres étaient titulaires, plus quelques pros, et dans les buts, on avait Agble Magnon. Mais toute la première mi-temps, nous avons malmené l'équipe égyptienne. On a vraiment malmené l'équipe égyptienne. C'est en seconde période, avec les changements, cette défaite a coûté malheureusement la place à certains joueurs, notamment mon ami Bossou Vincent. Mmh. C'est avec les changements que sur deux erreurs de Bossou Vincent, on a pris deux buts. On a été battu par l'Égypte. Quand je prends la première mi-temps qu'on a fait contre l'Égypte, et l'équipe avec laquelle on a réussi à faire cette première mi-temps contre l'Égypte, je pense que ça reste jouable. Mmh. Ça reste jouable si nos joueurs sont vraiment dans le match et se donnent à fond pour dire, même en Égypte, on peut déjà prendre les 3 points que nous voulons. Je pense que ça reste jouable. Donc on peut dire aujourd'hui que par rapport à cette sélection, le Togo a du recul, ou bien le sélectionneur a du recul.
certains peut-être points qui peuvent l'aider quand même à positionner un tel ou tel joueur. Tout à fait. On a des éléments d'analyse. C'est vrai que c'était un match amical. C'est pas un match. C'est pas le même entraîneur qu'ils avaient à l'époque qui est encore là aujourd'hui. Mais on a des éléments d'analyse déjà sur ce match après les matchs de la CAN pour que l'entraîneur puisse décider de ce qu'il convient de faire contre l'Égypte. Comment le sentez-vous à quelques semaines de cette double confrontation hyper importante contre les pharaons? Est-ce qu'il est serein? Est-ce qu'il a quelques soucis dans certains compartiments de la sélection? Qu'est-ce qu'il vous dit? Il est serein? Oh, vous savez, quand on a joué au foot, qu'on compte plus de 500 matchs en pro et qu'on est ensuite une carrière d'entraîneur où on compte je ne sais pas combien de centaines de matchs, ça devient un peu ordinaire. Quel que soit l'enjeu du match, on prend du recul. On ne se met pas la pression plus qu'il n'en faut. Et il faut rester serein pour réfléchir et prendre les bonnes options. Je pense que c'est dans cette disposition-là que le coach est. De toutes les façons, à chaque fois que nous avons match, même si c'est un match amical, il est toujours ténu sur les détails. Il vérifie si vous avez fait ci, vous avez déjà fait ça. Et c'est bien ce qu'il fait, peut-être un peu plus cette fois-ci que d'ordinaire. Et nous, ça nous met beaucoup la pression. Mais bon, le staff est serein. On sait que c'est un match de foot. On sait que beaucoup de choses comptent dans un résultat sur un match. On fait tout pour que... D'abord, l'essentiel, c'est de mettre les joueurs à l'aise pour que les joueurs soient dans les dispositions pour s'exprimer le mieux sur le terrain. Et c'est sur cela que nous nous concentrons. On sait qu'il est très pointueux sur le voyage, sur l'habillement des joueurs, tout ce qu'il y a, tout ce qui tourne autour, les joueurs, primes, tout cela. Tout ce qui touche aux Donc joueurs. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de ces problèmes, on peut être sûr. On est sûr avec le travail du staff, la collaboration de la fédération, du ministère des Sports, du ministère des Finances. C'est devenu une routine. Peut-être que c'est à la fédération qu'on devrait poser cette question, mais vous êtes proche de tout ça. Vous êtes en t-shirt Puma. On a dit entre-temps que oui, il va y avoir un nouveau contrat avec cet équipementier. Est-ce que c'est fait? Où en est-on? Est-ce qu'on prévoit autre chose? Non, je pense que la fédération annoncera le moment venu. Mais pour le moment, je sais que pour le stage à Tunis, c'est Puma qui nous habille pour le stage à Tunis. D'autres détails, oui, Aristide? Non, sur cet aspect, je ne sais pas. Il reviendra à la fédération et à Puma peut-être de confirmer, parce qu'en mai dernier, j'ai vu un site français publier un article comme quoi il y a 5 pays qui vont désormais porter le nouveau maillot de Puma. J'ai vu le Togo dedans. Malheureusement, il n'y a pas eu de réaction de la part des autorités. C'était en mai. Ça fait 4 ou 5 mois. Ils n'ont pas publié le nouveau maillot, le nouveau design. Enfin, le nouveau design. Ben bon, on va le voir contre l'Égypte. Ah, d'accord. Voilà, le nouveau design. Donc, j'ai vu, c'est 5, on a cité 5 pays et le Togo faisait partie de ces 5 pays. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de communication. Voilà, mais je pense quand même que ça fait partie des priorités de la fédération, parce que pour avoir suivi de près les élections, je pense que le président de la fédération dans son discours l'avait dit. D'ailleurs, vous savez, quand le Togo se qualifie, c'est à mettre à l'actif de la fédération. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Sidi Diallo dit, ben, pour la première fois, c'est durant mon mandat que la sélection féminine de la Côte d'Ivoire a joué les Jeux Olympiques, a joué la finale de telle compétition et tout. C'est quand même une fierté pour les présidents de fédération. Donc, je crois que l'idéal aujourd'hui pour les joueurs aussi, c'est de donner cette fierté-là au colonel Akpovi qui en a forcément envie. Par rapport à la double confrontation, je pense que le Togo a un petit peu un avantage. C'est-à-dire, il y a des joueurs qui ne sont pas totalement en compétition de l'autre côté de l'Égypte. J'ai dit que la plupart, vous savez que l'Égypte est dans un championnat professionnel avec les Al Ahly et tout, mais ils ne sont pas en compétition. Je ne sais pas comment est-ce que ça va être géré. Peut-être le stage d'octobre pourra les aider, j'en sais rien. Mais comme moi, en tant qu'observateur... J'ai appris que pour le moment, ils ont des difficultés pour trouver les matchs. Ah oui, parce que jusque-là, ils n'ont même pas encore dévoilé leur liste. Ils n'ont même pas encore le programme. Ils n'ont même pas encore dit si, évidemment, ils vont participer... Enfin, ils vont mettre à profit cette fenêtre internationale FIFA. Ils n'ont rien dit.
Je prends par exemple au niveau des quatre attaquants qui sont régulièrement convoqués depuis la dernière Coupe du Monde. Vous prenez Ossane Hassan, par exemple, qui évolue du côté de Soumaya Sporting Club. Sporting Club, c'est en Égypte. Il n'est pas en compétition. Vous prenez Ahmed Hassan, alias Coca. Il évolue du côté de Sporting Club Braza du Portugal. Il n'est pas en compétition non plus. Vous prenez seulement Mohamed Salah du côté de Liverpool. Il est en compétition, lui. Mais au même moment, vous prenez le joueur du Zamalek, l'attaquant Omar El Saïd. Il n'est pas en compétition non plus. C'est pratiquement la même chose pour le Togo. Non, mais par contre, quand vous prenez au niveau des attaquants togolais, vous prenez Labafodo. Il a récemment joué la Ligue des Champions d'Asie. Il n'y aura pas que les attaquants. Non, mais non, je parlais des attaquants égyptiens. Quand nous prenons par exemple les milieux, il y a évidemment le joueur de l'Aston Villa qui est en compétition, Mohamed Mahmoud Hassan alias Trezeguet. Il est en compétition. Le joueur de Besiktas, comment est-ce qu'il s'appelle, Mohamed El Neni, en Turquie, il n'est pas en compétition. Maintenant, vous prenez également l'autre, Omar El Mouhamadi, hein, le capitaine lors de la dernière Coupe du Monde. Il n'est pas non plus en compétition, il joue du côté du Zamalek. Quand vous prenez compartiment par compartiment, vous pouvez vous dire qu'en réalité, parce que les matchs d'entraînement ne vont pas forcément remplacer les matchs. Il faut être en compétition, il faut jouer au jour le jour, il faut avoir, disons, un nouvel état d'esprit. Et je pense que c'est en cela qu'on gagne dans le football moderne. J'ai fait cette comparaison pour qu'on puisse savoir évidemment que oui, l'Égypte est une grande nation, mais le Togo ne sera pas... Selon vous, a de l'avance par rapport à cette situation, c'est ça ? Un peu d'avance, je voudrais dire. Voilà. Un peu d'avance. Okay. Vous parlez d'un partenariat qui vient bientôt entre un club ghanéen, Ashanti Kotoko, et un autre de la Première Ligue. Comment ça se fait ? Oui, je pense que même cette semaine, ils vont dévoiler donc, ce partenariat. Il faut d'ailleurs dire que Ashanti Kotoko, c'est l'un des clubs historiques, n'est-ce pas, du Ghana. Ouais. Ils ont déjà eu des partenariats pareils. Ils veulent, selon le président, vous savez que Ashanti, le royaume Ashanti, est dirigé par le roi Osei Tutu. Et donc, c'est au niveau de ce royaume-là, c'est les dignitaires du royaume qui nomment en fait le président du conseil d'administration du club. Et donc, le président du conseil d'administration a dit la semaine dernière en conférence de presse, voilà, nous avons une nouvelle vision. Ils vont d'ailleurs, en 3 mois, avoir un nouveau centre d'entraînement. Et au-delà de ça, par rapport à ce partenariat, ils veulent expérimenter le modèle Génération Foot FCMS. Et donc, c'est en cela qu'ils sont en train de discuter. Du moment où les discussions sont à 90%, il n'a pas voulu dévoiler le nom pour qu'après, qu'on ait des surprises. Mais c'est un partenariat qui est très sûr et qui va forcément aider beaucoup de joueurs ghanéens, je vais dire, sur le continent, forcément dans les années à venir. Très bien, c'est une bonne chose. Très bonne chose pour Ashanti Kotoko si cela venait à être réalisé. Ça va booster encore une fois les performances de ce club historique au niveau du Ghana. On va voir les auditeurs, Pélagie, si on est prêt. Peut-être qu'il faut foutre éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Hein. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça, ça ne va pas. Point de vue. Les auditeurs. Et voilà, donc ils sont prêts. Quelqu'un en ligne déjà, bonjour. Bonjour, monsieur Aladji. Oui, vous allez bien? Je vais bien, moi, monsieur Kang. Très bien. Alors. Bonjour, les amis qui sont avec vous là-bas. Oui, ils sont à l'écoute. Allez. Monsieur Franck, j'ai une question pour grand frère Augustin Megan. Oui, allez-y, Boukadio. Il vient de dire, après le 2017. Le coach a réfléchi, il a signé sa société. Je ne sais pas si... Il a Il dit le coach a réfléchi, ce qui n'a pas marché après 2017. Oui. Et il a remis un plan à l'autorité de voir faire ça. J'aimerais savoir si le travail est fait au niveau de l'autorité. C'est ça. Si c'est fait, bon, à le niveau du staff, qu'est-ce qu'il reste à faire? Merci. Ok, voilà. Donc, après la CAN 2017, comme vous l'avez dit, le coach avait remis un plan aux autorités. Est-ce que ce qu'il a demandé dans le plan a été fait? Si ce n'est pas fait, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Non, les, les,
recommandations, je pense que c'est ce que le staff est en train de faire, parce qu'après 2017, il a fait le constat qu'on avait une génération qui était arrivée à bout de cycle, et qu'avec cette génération, on ne pouvait pas continuer et faire des performances majeures, qu'il fallait refonder. Et donc, c'est ce travail de refondation qui a commencé après la CAN 2017. Ce n'est pas quelque chose qu'on demandait aux autorités de faire, mais par rapport au programme initial sur lequel il a signé, la feuille de route initiale sur laquelle il a signé, il avait estimé après 2017 qu'il fallait revoir la feuille de route. Très bien. Quelqu'un derrière Broucadio Faustin, allô? Allô, bonjour, frère. Bonjour, cher ami, votre nom? Don Issor. Miabio Amégan Augustin qui est le fils là d'un tinami. Il demandait pourquoi on n'a pas convoqué Maxime Aoudia et Jordan Amavi. Je dirais le travail de Maxime Aoudia continue. J'ai la chance d'avoir son papa comme mon voisin. Son papa ne vit pas ici, il est Allemagne, mais il a construit là où je vis aussi. Donc le travail continue, mais le joueur pour le moment n'est pas prêt à rejoindre pour le Togo. Et pour ce qui concerne Jordan, à ma vie, la dernière fois, c'est Mathieu Dosservi qui a essayé de parler avec lui et qu'il a dit qu'il avait d'autres origines et pas des origines togolaises. Donc voilà. Pour Jordan, à ma vie, c'est clos. C'est clos. Mais voilà. Pour Aoudia, on continue le travail. Je pense que, en gros, pour les jeunes de la diaspora qui sont en Allemagne, il y a un projet et le moment venu, la FTF annoncera le projet qu'il y a par rapport à ce que nous faisons, par rapport à la diaspora, en Allemagne principalement et sur ceux qui sont en France, en Suède et tout autour. Voilà, Amek et Bion, n'y a que l'ami, au gogo à ma vie, et bien, ni togoto. Et nous, Mathieu Dosservier, gogo, et les founou, pompo, QEB, obé, et ni togoto. Maxime Aoudia, bon, on les yedi, voire Fifia, et bien, il y a un peu de sogbe. Donc, on est en vire, il y a des gars qui ont un sogbe, quoi. Certains, c'est sûr que là va. Voilà. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, Franck Nouyama. Bonjour à tous les fidèles auditeurs de la radio 91. Oui, One Love le Barcelonais, comment ça va? Oui, je vais bien ici à Palmé. Il fait bon vivre là-bas. Bon, ça va aussi. Ok. Allez, toujours vous dire bonjour, bon week-end. Avant le dîner, en cause de l'Europe, on peut connaître ça. Ben, convoquer deux fois. Et non. De montagne à comité, ou rien. Et non. Et de dîner à comité, ça revient à quoi. Et de dîner à comité, donc, on peut dire que c'est l'homme, ça. Yo, Missé. Ouais. Ne convoquez pas moi. Ne pas aussi. Bye. Lorsque Dové sera en forme, on va le convoquer, pourquoi pas. Allô? Pour l'instant, le Dové qui est là, c'est abouti. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher ami. Épervier de Kégué. Épervier de Kégué, comment on va? On va bien lorsque la compétition commence. On a reçu un petit chanson des Éperviers aujourd'hui. Très bien. On était dans le stress, mais ça va un peu. Merci. Je vais saluer tout le monde là-bas. Oui, merci. Pour tout ce que vous faites pour nous, je salue tout le monde de la radio. Merci. Et le personnel, Franck Nouyama. Quand je vous attends le samedi, je suis fier. Merci pour le soutien. Monsieur Amégan, bonjour. Merci, bonjour Pervier. Je sais que tu es fâché, mais ça va aller. On va dire que
jeu, l'entraîneur Zidane est parti de le Real. Mais après tout, les autres ont pris, ça ne va pas, il est revenu. Il y a quelque chose qui manque à notre entraîneur, entre nos joueurs. C'est ça qui manque. Même je sais bien que si c'est M. Amégan qui a la place de moi, peut-être il va dire à M. Claude Leroy, il faut laisser à côté, quelqu'un va prendre, on va voir. Ce n'est pas la fin du monde. Donc c'est ce qu'on va dire, parce qu'il est à côté de lui, il ne peut pas lui dire que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Bonne chance à tout le monde. Ouais. Bye bye. Merci, à bientôt. Épervier de Kégué, excellent week-end. Voilà, bon courage surtout. Allô? Allô? Oui. Allô? Bonjour. Allô? C'était une voix féminine. Ouais, on a envie d'écouter ça, hein, d'avoir ce genre de réaction, d'intervention, mais bon. Ok, elle s'est trompée de numéro. Oui, peut-être. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, cher ami, votre nom? C'est M. Thomas depuis Adakpabe. Monsieur Thomas depuis Adakpabe. Tout va bien là-bas? Ça va. Ok. Ouais, je voulais apporter deux informations là. Oui. Bon, il faut dire à M. Arifi qu'en Égypte, ils ont déjà commencé à jouer. Ils jouent le championnat. Et je voulais demander à M. le team manager. Non, le team media officer. Le manager est là. S'ils connaissent un national qui joue en première division en Autriche, qui s'appelle Balenciennes Takunagi. Ils ont match demain avec Strasbourg. Oui. Merci. Très bien. Très bien. Oui. Vous connaissez le joueur dont il parle ? Oui, Takunagi, on le connaît, on le suit depuis qu'il avait 18 ans, où il a failli même jouer pour l'Autriche. L'Autriche. Un bon défenseur, on le suit. Très bien. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Appelez-moi tout simplement comme il vit. Pardon ? Appelez-moi comme il vit. Comme il vit ? Oui, depuis d'abord à Kondi. Ok. Oui, moi je pense que plutôt, au lieu de continuer à résoudre l'équation avec Claude Leroy, il est temps plutôt que le chef de l'État tape du poing sur la table et il mouche Claude Leroy de ses fonctions. Son contrat est déjà terminé. Je ne sais pas ce qu'il faut encore là-bas. Donc, je ne trouve pas de Mais concret. S'il continue, c'est qu'il est prolongé. Avec qui? S'il continue, c'est parce qu'on l'a prolongé. Qui l'a prolongé? Mais comment qu'il a prolongé? Avec quel document? Ah, mais allez à la fédération, vous allez voir. Mais on n'est pas obligé d'aller là-bas. Les médias sont là, non? Oui, c'est ce que je dis. S'il continue, c'est que son contrat continue. Non, moi je pense plutôt que c'est juste de la mafia là-bas. Oui, parce que les 3 ans que Claude Ron nous a dit qu'on lui a confié est déjà écoulé. Il n'a rien foutu. Vous me comprenez? Allez-y. Claude Leroy n'a encore rien à nous montrer. C'est tant qu'on appelle les choses par leur nom. Le chef de l'État n'a qu'à taper du poing sur la table. Et vous voulez qu'on change de sélectionneur à quelques semaines de cette double confrontation? De toute façon, le Togo ne sera pas à la prochaine CAN. Comment le savez-vous? Mais ça se fait voir, non? Il reste 12 points. 12 points comment? Sur les points écoulés, vous avez pris combien? On a un point. Si on prend les 12, on se qualifie. Qui vous a dit ça? Mais vous allez prendre les 12 points? Mais nous sommes en football, tout peut arriver, non? Mais quand même, pas dans ce cas. Le Togo se fait battre ici à domicile, non? Il nous reste combien de matchs à domicile? Bon, on a compris votre opinion, votre position. Le score du match de Togo, Égypte, aller retour. Très bien. La catastrophe. 5 buts. Bon, on a enregistré. On reviendra à vous après cette double confrontation. Je peux vous donner ma parole que si l'Égypte ne bat pas le Togo au moins par 3 buts d'écran, quand j'appelle encore dans cette émission, je ne veux plus. Très bien. Allez, à bientôt. Excellent week-end. Allô? Quelqu'un d'autre derrière notre ami qui vient de partir? Il est parti lui aussi, non? Allô? Bonjour, Franck. Bonjour, Gérard Sélassié. Oui,
Oui, c'est moi. Oui, ça peut aller. Et chez vous? Dieu grand. Très bien, oui. C'est pour vous saluer, Dieu. Oui. Vous encourager. Merci. Bon, si je veux qu'on change cet entraîneur, mais on ne tue rien. Hein. Donc, nous, on fait prier seulement ici. On va encore prier. Mmh. C'est tout. C'est important la prière. Très bien. En tout cas, merci d'avoir pensé à nous. S'il y a quelqu'un derrière Gérard Sélassie, on le prend très rapidement et on met fin à cette émission. Il est là? Non? Oui? Ok. Allô? Hey, bonjour, monsieur Franck. Bonjour, cher ami. Mon nom, c'est Agbele Fokpa. Pardon? Mon nom, c'est Agbele Fokpa. Agbele Fokpa? Oui. Ok, on y va. Vous savez quoi? Non. Dans la tête, il n'est pas bon. La peau devient la même chose. Mm-hmm. Le problème aujourd'hui, c'est pas vous, Laurent. Hein. Mm. Le problème aujourd'hui, c'est M. Akpovi. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais quand on met un militaire à la tête du sport, mais vu qu'il ne maîtrise pas le sport, mais rien ne veut pas marcher, rien ne veut pas marcher. Rien ne veut pas nous faire le bilan de Jean Carré. Maintenant, on dit que depuis qu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il a marché dans le football togolais? Rien. Ah bon? Rien. Et puis, il ne veut pas partir. Mais il a été élu. Et on ne part pas comme ça. Il a été élu, non? Vous pensez que s'il y avait quelqu'un de responsable à la fédération, tout le monde va venir faire cette décision qui arrive de faire? Donc, je ne crois pas. Je ne crois pas. Quelqu'un de responsable à la fédération qui peut mettre devant pour nous dire que ce que je fais n'est pas bon. Est-ce que Côte-Leroy va vouloir venir chier sur nous, Togo, comme ça? Mais est-ce que Côte-Leroy a chier sur quelqu'un? Quoi. Très bien. Depuis qu'il est arrivé, est-ce que vous allez me dire qu'il a une équipe type qui peut nous montrer que voilà, c'est une équipe type? Quelqu'un, on ne peut que faire des joueurs. Mais il faut remarquer, ce qu'il faut retenir, c'est que le Togo, on l'a dit officiellement, est en reconstruction. Merci, cher ami. Excellent week-end. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Merci de nous assister, de nous accompagner. On va remercier Moudi Falana qui vient du journal Mérite Sportif, Aristide Quotidien d'Afrique Info Sport. Florent Kataka également nous a appuyé dans cette émission. Merci. Merci également à Augustin Améga qui est venu clarifier un tout petit peu ce qui va se passer lors du prochain stage où le Togo devait disputer deux matchs amicaux contre le Soudan et la Libye. Merci à Eloma Dovon pour la vidéo. Pelagie Mekou, merci. À bientôt.